Voilà, bonjour à tous, bonjour à tous. Vous avez, comme moi, constaté que on n'a pas pu réaliser les émissions les samedis. Excusez-moi. On n'a pas pu réaliser les émissions les samedis. Nous avons donc décidé de réaliser nos émissions pendant la semaine. Je crois qu'ils aiment mieux parce que ils ont permettre à l'aise par rapport à ma téléphone, par rapport à ma pelle. Et j'avais donc décidé de déplacer les émissions de samedi au lundi, ou soit lundi, mardi ou mercredi. Ça me donne du temps d'avoir au moins beaucoup plus d'interactions. Et le monde abîme. Bonjour à tous, bonjour à David Akilas, Rebecca Fils, Roussi Nzinounou, John Kabeya, Victor Mombo, John Kabeya que j'aime beaucoup, je te passe le bonjour. Pour cette nouvelle édition de Podcast Bellini, à peine commencé l'émission, je viens de recevoir aussi un message avec la lettre de la CAF qui annule toutes les élections autour de la Fédération congolaise de football. Tout a été annulé par la CAF et la FIFA à cause des irrégularités qui ont été constatées au sein de ces élections. Puisque je n'ai pas mes lunettes avec moi, j'aurais peut-être du mal à lire cet élément. Mais je vais faire de mon mieux pour le transférer ici sur notre page pour que vous puissiez aussi la lire ensemble avec moi. Donc, merci à Yaya-José Toumba de loin que je salue aussi. Cette semaine, je devrais la consacrer aux U21. Le temps pour moi de rassembler tous les éléments et de pouvoir contacter Mouko pour réaliser cette émission. On va revenir ensemble pour en discuter. Donc, pourquoi je réalise cette émission ce soir? Bonjour Paulin Bill, bonjour Dida aussi Dida. Pourquoi je réalise cette émission ce soir? En fait, je voudrais discuter avec vous ensemble aujourd'hui, téléphone ouvert. Mingité, parce que d'habitude je parle aussi beaucoup, mais Nakotikanabandekoba s'exprimer à propos de la sélection nationale. Je vais tout d'abord partager avec vous l'émission. Hein? Francis Lukoki, bonjour aussi, Adonai Miensé. Je vais partager avec vous l'interview de Desabre dans l'émission Talents d'Afrique et on va analyser point par point, les interviews, les interventions de Chancel Mbemba, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce que vous pensez de leur dire, les interventions de Arthur Massoakou aussi qui ont créé la polémique. Hein, on va tous l'entendre et on va essayer de réfléchir avec lui. Gilit Mavoukou Aigle, bonjour. Et aussi, on va essayer d'analyser l'intervention des sabres pendant l'émission. Est-ce qu'on peut avoir déjà une idée sur l'équipe des 23 qui ira à la CAN? Qu'est-ce qu'il a voulu dire en disant que voilà, il y a des joueurs qui ne font pas des choses à moitié, comme exemple Moutu Samy, Wissa, tout ça. Est-ce que des joueurs comme Wissa ne pourront jamais manquer dans la liste des 23? Il y a quoi analyser en haut et le monabino. Je vous laisse aussi le temps de réfléchir. À chaque fois que je vais mettre un élément, nous allons commenter. Et après, un instant. Pour intervenir. Donc voilà. Je vais commencer par l'analyse. L'événement ESA et Bélé, où ça les met courant en semaine. Il y a Tozana, l'équipe Nabiso et Banabassi. C'est dommage et c'est triste. Nengibazaki éliminé face à l'Afrique du Sud. Avec beaucoup plus d'encadrement, ces filles pouvaient aller beaucoup plus loin. Mais malheureusement, bon, nous, on a déjà posé les bases. Aussi, déjà, les alors, le reste, je crois que c'est à vous de voir si Bozo s'est pelaté. Mais je crois que Boza déjà n'a pas base.
Donc, notre élément Oyo, notre vidéo Oyo, il y a émission, il y a des sabres, et nous avons dit que la bande de nous sommes, Oyo, peut-être, n'a pas crédit, n'a pas imité, Balanda, peut pas commenter. Tout le monde a étape par étape, tout à l'heure, et l'ongo, Nabino. Donc, nous allons changer un peu écran, et puis on va démarrer. En amicale, la Nouvelle-Zélande et l'Angola, les léopards de la RDC se sont retrouvés pour un stage à Murcie, en Espagne. Séance d'entraînement, somme toute assez classique. Et pourtant. Au niveau des entraînements, est-ce que tu as vu une différence? C'est jour et la nuit, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est même pas comparable. Moi. Dans le discours était. Maintenant, nous pose place, parce qu'il y a eu beaucoup de. Je crois que Arthur Massoakou a été injustement insulté sur la toile. Et je crois que Essengeli Bah, Koukako. Nazo commentaire, il y a Béninois. Donc, je crois que Arthur Massoakou a été injustement insulté sur la toile. Je crois que les gens n'ont pas bien compris. Sens, il y a réflexionné. Bah, tout n'y est Au question. niveau des entraînements, est-ce que tu as vu une différence? C'est jour et la nuit, je vais pas entrer dans les détails, mais c'est même pas comparable, moi. Dans le discours. Bah, tout n'y est. Est-ce que vous constatez une différence au niveau des entraînements? Au niveau des entraînements, c'est tout à fait normal à répondre que c'est le jour et la nuit par rapport à l'entraîneur Raoult Colomba. Mais bah, tu vas ça allusion par rapport à Ibengué et tout ça. Et les gens ont voulu insulter Namouni na toile, bah, tu vas bandit au finger ma soie. Non, 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 Congolais, non, c'est pas possible. Les gens ont commencé à dire, ah, you can see Ibengué, Ibengué, les kaki, Ibengué, ça qui. On lui a posé la question par rapport à ce qui se passait avant. À ce qui se passait avant, c'est-à-dire le coach d'avant, est-ce que Hector Cooper, Azalaki Koya, Azalaki régulier dans l'entraînement et tout ça, on n'a même pas parlé de Ibenge, on n'a même pas parlé de Ntingi, on n'a même pas parlé de tous les autres, on a posé avant. Mais de là, Mbalamo, est-ce que vraiment, est-ce qu'à l'objet ma bé? À l'objet où il y a constaté. Après, les opinions, elles sont toujours. Opinions, elles sont toujours subjectives. Hein. C'est lui, Yemta, sur le terrain, Yemta a constaté, hein. Yemta a partagé à l'objet que non, ah, c'est le jour et la nuit. Ah, Yemta, l'objet, hein. Bon, mais c'est tout ça, là, Kounate. Ce qu'il a constaté hein, et qu'il a partagé, je ne crois pas qu'ils allaient digne ou le baquet, oh, c'est un grave, bon, on pose à Robert, tout ça. Non, je crois que c'est son avis. Et on devrait plutôt respecter son avis. Mais bon, chacun a son opinion. Attends, il y a aussi Babengia en téléphone. Bah, lui dit, non, tes abonnés, nous allons respecter les opinions des autres. Mais ce qu'on a contre-opinion, qui juste Koloba, que voilà, nous avons contre-opinion, moi je ne crois pas. Mais il y a Kofinga, tout ça. Joueur, on a bien au monde, traité Ndingwan. Mais bon, on a évité. Tout continue l'interview. Bon, voilà, ici, c'est le sélectionneur adjoint qui va aussi partager son opinion par rapport à Moussa Desabre. Le discours était tout de suite convaincant parce que, alors lui, il est très humble et puis il le dit rarement, mais moi je vous le rappelle, quand il récupère la sélection, elle est dernière du groupe avec 0 points. Les premières choses, quand il est arrivé, il m'a dit, Chancel, on a besoin de tous les joueurs, mais j'ai besoin de vous. Parce que pour votre d'abord, votre rigueur et votre discipline, on a besoin de toutes les forces des joueurs. Voilà, notre stop là. C'est très important, Mme Chancel, à lobby. Donc voilà, je crois que c'est très important ce que Chancel a dit. Chancel dit ceci, il dit que coach Azaki a besoin, il y a rigueur, il y a discipline. Et à Monaki Katina Chancel, deux caractéristiques, on a rigueur, on a discipline. Nazo le bango na obandelango awa et na obandelango na tina. La yebi ke bate belé,
Balingara, tel joueur, bah, y a une équipe nationale. Mais ce qui va moni, de sabre à Bengi Chancel, et à Yébissi, que nous avons besoin de rigueur, na yo, na discipline, na yo, c'est que Azan Ayebi pourquoi. Il y a un autre qui va jouer et belé, Misusu Baza un peu écarté de la sélection nationale. Bon, on va jouer Misusu, mais ce qui décembre a constaté qu'il y a une rigueur dans la discipline, alors ils ont passé. Alors, le bilan, c'est qu'on ne voit rien sur l'écran. Il y a besoin de l'autre côté de l'écran. Bon, ça, là, c'est une chose qui est l'autre côté. Comme il a ce qui l'écran est noir, je ne sais pas si l'écran est noir. Vous en avez vérifié. Faites-moi signe si le... oui, mais bon, dès que moi, comme il a, on voit rien sur l'écran. Bon, je ne sais pas, peut-être l'écran là, mais bon, bon vous allez vous comprendre ce que non. Ah, voilà, la vidéo est suspendue sur Memba parce que n'a qui n'a pas n'a suspendu qui est sur Memba. Donc voilà. Continuer la mise au documentaire. Mets ton rigueur, mets tes disciplines, on va marcher ensemble, on va faire les bonnes choses. Je veux dire, franchement, droit dans les yeux, personne n'est indiscutable dans l'équipe de la RDC, et même moi. Ah, tout est non-stop là, Sona. Bakamba Lobby, personne n'est indiscutable dans l'équipe de la RDC, même moi. Donc, même Bakamba, tout en venant en équipe nationale, il ne vient plus comme avant, avec un statut de voilà, na beta n'équipe nanga, na beta n'équipe nanga te, na yebi ke na robeta kaka. Omoni. Donc, on comprend directement que l'équipe nationale est côté rigueur et côté discipline. Star azate, batu bako beta selon ba mérite na bango. Hein? Donc, comment na bakambu ko loba boye. C'est-à-dire qu'on comprend maintenant qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi par rapport à la méthode de Desabre. Parce qu'il parle le passé, hein, ce qui te le dit le passé, tout ce qui est un acteur coupé au poteau fingamaté, on n'a pas voulu. Donc tant mieux pour le collectif, tant mieux pour le pays, et j'espère que ça va continuer. Plus de passe droit, du sérieux, du travail, parce que comme il nous l'a dit. Oui, Arthur Massoka le dit, plus de passe droit. Donc plus de passe droit. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des passes droits. C'est-à-dire que joueur Moroboé, il faut sélectionner. Mais aujourd'hui, je crois que c'est par le mérite. Et si les joueurs l'acceptent et le disent aussi, hein, c'est-à-dire ça veut aussi dire que d'un côté c'est la vérité aussi. Hein, parce qu'ils ne vont pas mentir pour faire plaisir à certains fanatiques ou certaines sur certains journalistes. Donc bazar on a pour nous la vérité quand ils sont consultés. Voilà, tout continue. Dit plusieurs fois, on a énormément de qualité et je pense que défense en même pas compte. Je pense que notre sélection, notre équipe, on devrait se battre avec des sélections nationales comme le Maroc, le Sénégal, l'Algérie. Je pense sincèrement que notre place devrait être là. Il ne suffit pas de le dire. Voilà, notre place devrait être là. Masoko ponaye alobi que nous bisou photo beta contre le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, le Cameroun, la grande équipe, la grande nation en Afrique. Mais beta rana bango déjà dans les championnats européens. Mais eloroni les zanga penda que non, tout beta contre bango pena, hein, tout yoka na pena solo, ndio aloba na lingala. Que tout bête n'a pas de nous autres, tout yoga n'a pas solo, n'a biso, tout bête n'a pas de grandes équipes. Parce que normalement, biso photo bête n'a pas d'équipe locale, n'a équipe wana. Mais malheureusement, peut-être avec le temps, on peut être trop ma bisika ou baron bazali, on ne désespère pas. Mais pour l'instant, tout ça, on a un niveau à Soudan, tout ça, on a un niveau à Mauritanie. Pourquoi? Parce que tout ça, on a une stabilité, mon goboui. Joueur à Royal Elo, après joueur à Nakuna Rundima Lobby. C'est difficile aussi pour un entraîneur à fan de sa groupe. Il y a un autre joueur à Ndimi Lelo, après joueur à Nakuna Ndimi après 2 mois, après joueur à Nakuna Ndimi 3 mois.
Barobenga joueur tel beau, onaroya, onaroya te. C'est difficile d'avoir une certaine stabilité. Il y a moins les autres que un certain moment entraîneur comme un peu gobe taper va jouer Msukara. Pourquoi? Parce qu'à zone avant de sa groupe Moko, avant de sa groupe Moko pour à se concentrer dans le groupe on a travaillé dans le même groupe. Mais bon, tout ce monde aura que va jouer Msusu. Banda on est gobe nga bango, aroya aroya à correspondre négociation. Mais bon, est-ce que des sabres à continuer toujours au bon de la Batouana pour continuer à nous coller l'émission? Il faut le montrer et c'est l'énergie en fait qui veut nous transmettre en fait. Bah, je vais t'avouer quelque chose. Quand le coach nous parlait, il nous parlait plus projet. La qualification pour la CAN, c'était pas vraiment l'objectif premier. On va pas se le cacher. Mais nous, en tant que joueurs, en tant que compétiteurs, on en faisait notre objectif primordial parce que c'était voilà la compétition qui était en cours. Et puis non, ça s'est très bien passé, franchement, on a pris les points à domicile, à l'extérieur, en Mauritanie, je m'en rappelle. C'était pas facile, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui s'est créé. Ah, très important ce que Bakam vous dit aussi ici, c'est-à-dire que le coach, il parlait plus projet. C'est vrai que c'est aussi une manière aussi de démontrer les caractéristiques d'un entraîneur, mais c'est aussi pour montrer le fort caractère que les joueurs ont. C'est-à-dire que le joueur sort à sa volonté, bah ça l'arrête loco. Mais souvent là, on a posé, bah on devient là, on carbaye, bah beti bah kei. Mais je crois qu'ils ont voulu montrer par leur détermination, on a un match au bagage contre Mauritanie, on a l'équipe au Moussouana. Ils ont voulu montrer que quand les choses vont bien, les joueurs peuvent aussi se surpasser. Mais quand il y a du désordre, bah on se surpasse. Je vous le dis la vérité. Baroya ba beti na bango na bango après ba ke na bango. Mais quand il y a l'ordre, quand il constate que l'entraîneur azo yo ka bango et que l'entraîneur azo pesa bango et logo eza na niveau na bango, en tout cas ba se surpasse ça. Yango zo mona alobi que non. Au départ, le coach parlait projet 2025-2026. Mais eux, tout en recevant le projet, ils ont compris que ah musala mala muzali. Tout le monde est là pour nous occuper de comment on a Cannes. On a une PLO, équipe nationale, et ça qualifié la Cannes. Donc ce n'est pas seulement le coach des sabres, mais c'est aussi les joueurs. Les joueurs ont répondu par rapport à. Il y a un sentiment au Bayo qui est en bas de niveau et d'entraînement, il y a un salement. Il a constaté que non, il faut. De travailler dans le coach à bon, de pèser dans l'union à 100%. C'est très important dans cette équipe nationale. Donc voilà. Miracle, il n'y a pas de miracle. La tête, déjà, il est très exigeant. Donc, en même temps, ça descend et on adhère tous à cette philosophie. La preuve, il y a des résultats. Et c'est pour ça que il faut pas croire qu'on est nous sommes déjà arrivés. Et en continuant avec cette exigence que le coach a mis en place. C'est quoi votre objectif pour cette notre objectif, c'est bien sûr de sortir des poules. Après, là, il faut aussi rappeler que la dernière CAN, la RDC n'était pas présente. Absolument. En 2019, huitième de finale en 2019. Ouais, 2019, huitième de finale. Donc non, nous, on a cet objectif de sortir des poules et puis d'atteindre les quarts de finale. Après. Voilà, na chest stop là sous. Bandeko belé, ba comprendre le langage pe entraînanté. Dans le football, il y a ce qu'on appelle l'humilité. Non, eza ko la ki sa ko banga te et eza pe ko za la lâcheté. Bandeko oyo na landa ki pe ba commentaire belé, bandeko belé ba fustiger ki peut-être ba propos entraîneur. Ils ont dit que voilà, entraîneur azo banga bona boye. Ndengini biso RDC tous à la canne objectif il y a qu'on passer kaka ba poule un quart de finale biso photo kende na finale wana bandeko omoni soki ozolinga ozala ou atteindre certains objectifs tu dois d'abord commencer par être humble et l'humilité ça veut dire aussi respecter les adversaires. C'est vrai que tout pays soit qui na coupe d'Afrique et qui na un objectif mongobo et je crois que il faut que les objectifs ezala en compatibilité avec ce que vous avez. Vous comprenez? Donc na obiso tozana ngolo
Atali Azozala beaucoup plus, Azozala très très honnête envers lui-même et aussi humble. Il sait qu'il n'a pas encore les moyens de remporter une Coupe d'Afrique des Nations. Je sais que ce n'est pas impossible. Hein. Après le reste, on reste des compétiteurs, on reste des guerriers. Mais il faut se fixer des objectifs. Au monde, Nganayebike, par exemple, en 2014, lorsque Didier Deschamps avec l'équipe nationale en France, a se fixé qui objectif à Koma la quart de finale. À Koma qui n'a quart de finale. Mais tant qu'on a la quart de finale, on a Alta la quart édition, on est en 2014, c'est Alta la 2016, Alta la 2018, Alta la 2020. Donc c'est comme ça. On va étape par étape parce que Aza conscient qu'on a niveau Aza Nango et Naba joueur Aza Nabango, ils n'ont pas si pour atteindre l'objectif et belé parce qu'il y a d'autres équipes qui sont déjà beaucoup plus ensemble, qui travaillent par automatisme, qui ont expérience, qui ont capacité à gagner l'équipe Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas impossible pour lui et il est conscient que ce n'est pas parce qu'il a gagné le Soudan et qu'il a gagné la Mauritanie que ça fait de lui un champion de la Coupe d'Afrique ou bien un vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Aza conscient. Yangwana na katia conscience wana azoye ba ko préparer moral na biso poto ye ba ke non. Au moins pour le photoleka. Pourquoi? Parce que aouti ko zo équipe, équipe pesana no mubesu. Équipe pesana no mubesu, il faut qu'on prépare équipe pour ekomana no ko mesa na compétition parce que la plupart ba joueurs ba obeta wana. La plupart na bango baza ba joueur ya sika. Baza ba joueur ba banina non ba beta Coupe d'Afrique des Nations. À part Chancel Mbemba, je crois Massouakou, mais tous les autres c'est des nouveaux. Et apprendre sur le terrain ko ye ko la ko za expérience à Coupe d'Afrique et ça facilité. Hein? Donc tout continue guys. Il est évident que... C'est un objectif que vous, vous vous êtes fixé ou qu'on vous a fixé? Comme je vous ai dit, non, nous, l'objectif, il était en 2025. De maintenant, on est des compétiteurs. On sait qu'on a nos forces aussi à faire valoir hein, dans, ouais. dans cette CAN parce que les joueurs sont très motivés. Les joueurs, on a de la qualité aussi. Mais après, il y a des paramètres qui font que... Bah, on verra au mois de janvier. Il y a d'autres paramètres, ouais. La chaleur, les terrains, la forme des joueurs du moment. Voilà, mais... aujourd'hui, c'est sûr qu'on va aller à la CAN en essayant d'aller le plus loin possible et surtout en essayant de faire des matchs cohérents qui devront nous servir pour la suite de notre projet. Quid de l'attaque des... Voilà, donc je crois que le coach a été très clair dessus. Je crois qu'Aebi qu'a utilisé Maloba parce que c'est aussi la marque des grandes personnes. Aebi que Akolo le babouzo batté. On est dans ma moto, ça la CAN Afrique, bon. Ils ont le droit à boxer. La balle, je crois que les gens sont beaucoup plus prudents et ils sont beaucoup plus... ils sont aussi réalistes. Hein? Ils sont aussi réalistes par rapport... Il y a le gros bazar en haut. Donc, mentalité, on a qu'il... Tourbé tabango. Ça, c'est le haut niveau, Makambouana. Je crois que ça ne devait même pas exister dans le niveau Nabisso. Donc... Maintenant, je crois qu'il va parler. Léopard, Leroy. Certainement, le secteur où vous êtes le plus fourni dans votre équipe, coach, avec tout type de profils, des purs numéro 9 comme Bakambu, Mayele, le récemment appelé Banza, et Muleka, Ben Malango, et puis les ailiers comme Théo Bongonda, Djangana, et puis Wissa et Silas, deux joueurs qui ont brillé ce week-end dans leurs championnats respectifs. On commence avec le joueur de Brentford, Wissa, qui retrouve le chemin des filets après une dizaine de 6 matchs bien servi par son compère, hein, Brian Bemo. Wissa qui s'est vraiment imposé comme un indiscutable. Il a démarré tous les matchs cette saison, parfois dans un rôle de neuf, parfois dans un rôle d'ailier, mais pour un total de 3 buts et une passe décisive. Et puis en Bundesliga, Silas était lui remplaçant au coup d'envoi. Il est rentré à la 69e dans un rôle plus axial et il a marqué un but magnifique, coach. La fin de frappe pour coucher le gardien. Et puis ce but magnifique, son 4e, toute compétition confondue. Il est vraiment dans une très bonne forme. 4 buts, 4 passes pour lui cette saison. Alors coach, ce sont deux joueurs qui se montrent performants dans un système à deux pointes. Et on l'a vu, vous avez un grand réservoir d'attaquants. Est-ce que ça peut voilà, chambouler un peu dans votre tête de changer de système et de passer une attaque à deux pointes? Bon, on l'avait fait en Mauritanie au match retour. On le fait aussi de temps en temps à l'intérieur des matchs quand je fais des changements. On a un potentiel offensif qui est intéressant. Oui, ça, je n'avais pas pris sur le dernier rassemblement puisque je voulais faire la place pour certains que je n'avais pas vu. Voilà, la phrase qui fait mal.
Bon, je crois que Bandekebele Batouna qui pour Nawissa, il a pu répondre aussi. Mais la question aux journalistes à Tounier, est-ce que tu peux passer dans un autre système, c'est-à-dire dans un 4-4-2 avec deux attaquants de pointe et tout ça, Atieba Wissa, Atieba la vitesse à Silas et tout ça. Je crois que le coach a aussi bien répondu en disant que à Meka système moi dans le 4e match contre la Mauritanie na retour, c'est Aldo Kalulu qui avait joué en deuxième pointe à côté de Bakambu et les résultats n'étaient pas bons. Contre Afrique du Sud, à Betsaki avec deux attaquants de pointe, Tobetaki na Wissa na Muleka. Le résultat n'était pas bon. Et je crois que peut-être soit ce sont les joueurs qui ont joué en pointe qui ont déçu, ou alors c'est le système qui ne marche pas avec la RDC, parce qu'il y a un manque de créativité, ce qu'a Betsaki avec deux attaquants de pointe. Si les deux attaquants de pointe sont trop forts, alors là tu peux prendre le risque de jouer dans un 4-4-2. Mais si les deux attaquants ne sont pas forts, c'est ce qui nous a coûté aussi le match nul face à la Mauritanie à l'extérieur, parce que Aldo et Bakambu en pointe, ils ont là qui catastrophe, l'équipe était incapable de gérer le ballon. Tout ça, pivot mi balé, ils sont incapables de conserver le ballon. D'où le ballon, ils sont sur le défenseur, ils sont dégagés. Ils sont dans la zone de défense. Il y a un match à Mauritanie, on a match à ma base haute, bêta et retour contre Mauritanie Zaté. Nous avons très mal joué à tel point que les deux milieux de terrain se sont retrouvés fatigués. Moutoussamina Chibola Bazaki vraiment fatigué et Toankessa qui buona. Donc vraiment, s'il doit passer dans un 4-4-2, il faut que les deux joueurs qui seront en pointe, Bazala fort, le Kolaba Silas, Bazala fort, le Kolaba Wissa. Raison pour laquelle, vous remarquez, match à Gabon, tout bêta qui a bien par rapport que ce qui te met à Bakambu. Là, je prends le risque de vous le dire. Mais il y a des fanatiques à Bakambu Bazali. Mais Bakambu seul en pointe, c'est différent de Wissa. Wissa seul en pointe, en termes de combinaison avec l'équipe, Wissa nous a beaucoup plus apporté face au Gabon, même s'il a manqué de lucidité devant les bois. Mais dans les combinaisons, dans la conservation de balles, dans la participation dans le jeu, c'est très important, Wissa a été beaucoup plus efficace que Bakambu. Bakambu sera Zobet en pointe, nous avons du mal à conserver le ballon. Raison pour laquelle Elo Soki Botali, joueur ou à Congolais ou à Zobet en équipe de France, Komunisunani, attaquant de pointe Kolomwani, Azo Zala, vraiment critiqué dans Paris Saint-Germain, même en équipe de France. C'est-à-dire que moi j'ai suivi les analyses, mais Bazaki vraiment. Mais c'est un peintre ou quoi? Il est incapable de garder le ballon. Il est incapable de conserver le ballon. Ce que Giroud fait, ça aide l'équipe à monter d'un cran. Quand vous avez un pivot qui n'est pas capable de conserver un ballon, c'est très difficile. C'est très difficile que l'équipe puisse remonter. Contre Gabon, tout le monde qui Kakout a combiné bien avec Wissa. Ça a permis à l'équipe de remonter d'un cran. Qu'on remonte bloc. Mais ceux qui attaquent de pointe, vous bozotez le ballon en profondeur et qu'il ne gagne pas les duels, ou bien parce qu'il est seul, Tokoza en a difficulté. Voilà, Kolomwani. C'est-à-dire qu'Ayebi qu'on conserve le ballon. Et c'est difficile pour l'équipe parce que ceux qui bozotent l'attaquant, qu'on s'appuie sur l'été, c'est très difficile. Exemple, Pivot Mbokani, très bien, voilà. Tu continues l'analyse. Il dit bien que voilà, Wissa et Silas. La deuxième réponse, il dit qu'il a voulu laisser la place aux nouveaux joueurs pour n'a que à Talabango Lissous. Je crois que la présence de Muleka, c'était une dernière chance pour lui pour qu'on puisse travailler. Parce que de Sabra Benissaki, mais il n'a toujours pas donné satisfaction. Mais Torozong en a Makambouana après. Aussi sa interview à des Sabres. Mais sinon, c'est un joueur qui est important pour la sélection. Il est pareil que Sam Moutoussamy. C'est des joueurs qui sont qui généreux. Ouais, généreux et puis qui voilà, qui font pas les choses à moitié. et puis je suis content pour Silas. Quand je les premières fois, je me rappelle, il avait un peu des tensions avec la fédération. Voilà, donc j'avais été faire le déplacement à Stuttgart et puis lui c'est là quand je vois sa feinte, c'est exactement ce qu'il fait à l'entraînement, il est joyeux, il aime le foot, ça se sent et pour lui je suis content aussi parce que
il fait un bon début de saison, puis il accumule les matchs à un c'est bon clair. Niveau. Ibrahima, vous qui êtes un spécialiste de la Bundesliga, c'est vraiment la pépite de la RDC peut-être, ou l'une des pépites? En tout cas, c'est un joueur que moi j'aime beaucoup. Je le suis parce qu'il joue à Stuttgart, évidemment. Il y a Guirassy, forme un duel d'attaque exceptionnel. Et surtout, il faut savoir, hein, Silas a eu beaucoup de problèmes administratifs qui l'ont coupé en même temps que sa blessure. Hein. C'était l'avantage qu'il a eu, c'est qu'il a été blessé en même temps qu'il a eu les problèmes. Et la saison d'avant, il était juste exceptionnel. Il a eu du mal à revenir un peu après sa blessure, les croisés qu'il a eu. Mais là, dans le début de saison, avec ce que son club y fait et ce qu'il fait avec eux aussi, avec Guirassy, autour, je passe un Guinéen, vous le savez. Donc, on en parlera d'ailleurs. Voilà, non, c'est juste exceptionnel. Et coach, là, ça se joue à quoi pour faire les choix? Ça se joue à la forme du moment ou ça se joue par rapport aux adversaires? Parce que vous avez, comme vous l'avez dit, un réservoir incroyable. Bah, ça se joue sur ce qu'on suit des joueurs, mais aussi sur l'accumulation de ce qu'on a pu voir à travers les 5 stages aussi. Hein, Question très importante. Batounier, ça se joue sur quoi? Ça se joue sur la forme du moment? Ça se joue, oui, sur la forme du moment, mais sur ce qu'on a vu sur les 5 derniers matchs. Donc, Bozal assure que sur les 5 derniers matchs, le coach a Vandaki, analysé point par point, faiblesse par faiblesse, force par force, Ndesiko Bakoza décision. Est-ce que tel joueur doit encore rester en équipe nationale? On lui a donné autant de chances. Qu'est-ce qu'il a montré? Qu'est-ce qu'il n'a pas pu montrer? Sur les 5 derniers matchs, Toye Bikeba joueur ébélé, marqué ba point, ba joueur peut ébélé, tiki ba point. Oui, allô Ndeko? Allô? Ouais, allô papa, bonjour. Bonjour papa. Ok, ça va. Bolimbisi, papa, naza vraiment en direct na sa l'émission. Souna sisi na zoya na groupe à WhatsApp pour nous comme ça na yeba rezoni sa yo. Bolimbisi. Ok, merci. Merci. En tout cas, Bolimbisi na bande ko nous ba holanda biso awa. Na sikuna, c'est que pour nous na groupe WhatsApp, c'est que yindi déjà. Donc voilà. Donc je disais que selon les 5 derniers matchs, ndenge ba sali analyse. Ndesiko coach akouye parce que kata les 23 wan. Mais s'il y a des joueurs qui vont intégrer la Coupe d'Afrique, la sélection nationale pour la Coupe d'Afrique de Nations, s'il y a des nouveaux joueurs qui doivent intégrer, je crois qu'il faut ça la preuve na bango na ba match éliminatoire. Ce qui na ba match éliminatoire ba yété na Coupe d'Afrique pe ba royaté. Na Coupe d'Afrique pe ba royaté. Donc, Bozala sûr et certain que Soki, Bomoni, certains joueurs n'ont pas match Ezoyate, il y a Mauritanie, il y a Soudan, Soki, Beti, match Wanate, l'équipe de la Coupe d'Afrique, Peba Rosalate. Pour après ce match-là, joueur à Sika Okota Souté. Donc, les 2 derniers matchs, Oyo, Bochango na Moutouna Bino, Soki, Bomoni, joueur Robino Bolingite, joueur à Sika Baroya Souté. Voilà. Continue.
nous aussi, quand il y a un stage, on apprend à connaître les joueurs. Ils savent que sur ces postes-là, il y a de la concurrence. Donc après, c'est aussi la loi des nombres. Hein. On aimerait bien en amener 30 à la CAN, mais on pourra en amener que 23 et qu'il y a des défenseurs, des milieux, des attaquants. Donc ça sera à nous de faire les choix. On est là pour ça. Donc on les fera. Mais c'est sûr que sur certains postes, les réunions avec le staff technique sont parfois longues des fois. Ouais. En amical, la Nouvelle-Zélande et l'Angola. Les réunions avec le staff technique sont parfois longues. Donc, c'est-à-dire que des sabres, même ceux qui, c'est lui le dernier à décider, le dernier à prendre des risques, mais c'est vrai que Azouaka jamais va décision seule, Van Nara tout autour, il y a staff, et c'est après cela que Kozora Siko va décision. Majeur local là-bas, Bolingi, tout ça, ils ont majeur au Van Nara qui est autour à staff. Au moins, on a battu le col là-bas. Comment m'entraîner à Mazembe, Miyayo, Baropé, ça a été le col là-bas, Kambazate, Tozwa Bolingi, tout ça. Même si lui ne connaît pas Bolingi, mais c'est le staff tout autour de lui qui va lui dire non, Tozwa est tel joueur. Donc, dans la minute, je crois que les joueurs doivent maintenant prendre conscience. Ok. En tout cas, il y a deux derniers matchs. Bah, professionnel, au bozo tout le temps, binational, au bozo tchaka, na ba liste, na ba Facebook, tout le temps, animé, tout ça. Réponse, na bino ezabo. Ce qui contre la Mauritanie et le Soudan, bo moni ba ngote, boye ba ki ba royara pété. Boye ba ki ba royara pété, na kanipe ba ozalate. Hein? Donc voilà, na tike le bino siko téléphone, na lobby pendant 30 minutes. Ndeko oyo alinga kabinga, je crois que le téléphone est assez ouvert. Na bandeko balinga benga ba loba makambo bango bazana ngo, ils sont libres. Voilà, aimez la vidéo parce qu'ils ont bugué. Hein, botcha ba likes, vidéo ils ont bugué. Peut-être vous avez une difficulté à ko continuer l'émission, s'il vous plaît. Na bani ko répondre à ce qu'on a ma question na bani ko bani ko benga interna na WhatsApp le numéro bozanango. Voilà ndeko, vous êtes sur podcast Bellini, à vous la parole. Diminuez kaka volume et pas yozali. Ah d'accord, vous entendez bien? Oui, nazo ko bien ndeko, vas-y le bana. Ah d'accord, na benga partir à Londres. Hein. Na participa mingi na yo muto yaka na polémique ya Chancel Mbemba yo me bande ko bazoluka yo makasi po c'est boulot c'est boulot. OK, ça va, malove pa na yo lobana. OK, na moni coach to sande en tout cas azu pe sa biso espoir vraiment. Comparé, bon, Matamba Ibengi, il y a toujours polémique, il y a toujours sur Tangi Komoya Ibengi. Et ça peut make sense. Parce que Ibengi a l'alli moi n'amboka. Avant Ibengi, toujours par contre, tu es ma combattant. Il faut qu'on bosse la tête que Komo t'aura trois coupes d'Afrique. Du coup, il y a par contre, tu vois, quand on a un peu de temps, tu vas il y a Congo Pinzate. On est le moment où il faut tout. Tiens, mon classement, minga sala des alliés. Staff, n'est pas un bisakacha, pas joueur, Au moins, quand tu as eu un joueur, au moins, pas changement. Mais l'on dit les autres, Tindayo, au Lobaka, il va jouer. Par rapport à changement, non, par exemple, au Bandisane, il y a Elia Meshak. Vous voyez que tant que chaque aïe, tant que ma camionnette a un document, tant que vous avez un posé problème, il y a un chaque. L'écoute, il y a un chaque aïe,
à Bandi, c'est le Meshak. Alors qu'il va jouer au déjà pour Meshak Tangaye, dans la Bandi, c'est le Meshak, dans le match où tu peux l'avoir, dans le match où il est Meshak à Zong, dans ce match. Là, se souvient d'un match où tu peux l'avoir un peu, match où on a un beau sani équipe. Mais match où tu peux l'avoir. Et le Meshak a eu au Péta, raison Péta qui est là qui. C'est sûr que ça va pas staff ba muyo yawana oyo coach amazimbi na ba master ni misusu. Donc est-ce que vous avez la confusion tena ba période parce que naebi que période na ni fala ya Isaac période ya Hector Cooper Isaac ya période ya tant que zanga na ba problème ba zako lo ba kaza réfugié Isaac a période ya Hector Cooper you na ni ya maintenant où il n'y a pas Yaki, à garder la même postature. Il y a maintenant où il y a Yaki, mais chaque Azaki a un problème de soute. On est Zaki Cooper. Oui, oui, on est Cooper. On a raison. Cooper. Mais à garder dans le même ligne, on est Michel. Alors que tu es Bibiso Nyonso, qui est pour Michel Azonga, l'équipe de à performer les soute. Voilà, mon tuto est bien. Mais c'est quoi, papa? Naina le babou, hein? Nazo boya batu bazo fustiger Meshak te. Mais je crois que tobetina Meshak ba match presque belé et je crois que peut-être makambo biso tozo senga Meshak sala même si à la fin il n'est pas capable de le faire. Mais posez-vous la question pourquoi Meshak na équipe na ye ya the boys azo beta bien. Azo chaka ba bi. OK. Mais chaque abana a obéi bien de l'équipe à Congo avant dans Zaki na Mazembe et bien raison Zaki ni mais chaque Zaki na lou est lié pour mais chaque si qu'on a perdu ba capacité mais surtout ya il est pour mais chaque notre club n'est actuellement comme obéi comme neuf attaquant de pointe y a un moment mais chaque à la raison obéi si comme est lié mais chaque aïe par les sources qu'on s'est positionné là au moins le positionnement Meshak qui ça a bien été l'intérêt parce que à combien déjà la réflexion y a numéro 9 pour la club mais à sa liste de soit bête à comme 9 donc il y a un nombre qui attend la rabat joueur qui Meshak mais le match contre Manchester City à bête à qui 9 et à bête à qui est lié non à mon avis comme il est non à bête à 9 Meshak à bête à 9 ok. Meshak a comment bêta 9, ça fait 10 ans. Quand tu fais, il faut à ça la pousse, tu as ça du choix. Tant Azo Beng, ça va 9, à compter à Meshak comme un 9, pas comme un lié. Pour à perdre ma capacité, non, surtout il y a des liés. Et puis, deuxièmement, il y a le Belaka et Wissa avant Nati Kabate Koukousso. Vous voyez, dans le football africain, tout ça n'a pas joué. Oui, non, mon ami est lié, mais bon, tout est là après. Loba na papa. Avant la bande de Koumsou souba intervenir pour la bonne kangama loba pour la nga na bela na kaya ya Wissa. Wissa ba te pele ba critique à Wissa ba bien pour une équipe nationale à performer bien té ni. Il faut ba te baye ba pe de loko moko. Que Wissa. Papa loba loba mambangwa parce que ça na ba te bele ba zozi la ba benga. Oui, oui, oui. Il faut pas que le joueur soit africain. Football africain, il ne s'adaptera si facilement. Tout le monde a le même cas, il y a Jason Maïli. Jason Maïli a l'obéta bien étalé, mais une fois qu'il y a un léopard, Jason Maïli a l'obéta bien étalé. Football naïs a l'adapté quand le football européen. Dans Afrique, football, oui, c'est la base pour performer. Ah, c'est très bien. Football européen, non, football africain, comment? Les gens aiment beaucoup dire cette théorie, mais il y a des différences de style, mais le football reste le même. Non. Football européen, ça dit football asiatique, ça dit football. Il y a Amérique latine, les alliés, football africain, les alliés. Oui, les alliés sont différents, mais pour que je reste à la CAC adapté dans le football,
là, ça, je suis pas. Mais bon, merci pour l'intervention. Gardez ligne. On peut intervenir même si ma problème est atteint. Naya m'a pas vendu comme sous. Merci, merci. Oui, allô? Allô? Vous êtes en direct de Podcast Bellini. Vous pouvez intervenir. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Bon. Moi, j'allais intervenir à propos de Gaia Wissa. Bien. Yeah. Le coach a été clair en disant que Wissa a été laissé au repos puisqu'il devait voir d'autres joueurs. Il y a les garçons Grady Dianga, oui, qu'on n'avait jamais vu jouer en équipe nationale. Mm-hmm. Et maintenant, les cas Meshak, c'est ça qui fait très mal. Mais chaque on a toujours remarqué qu'il est bon quand il entre. C'est pas quand il commence le match. Mm-hmm. À chaque fois qu'il met chaque entre, exemple le match à Zimbabwe. Mm-hmm. On a fait 4-0, on a arraché la qualification en toute dernière rencontre. Mm-hmm. Et chaque entrée, oui, nous avons vu au stade de partir le match de 2-0. Mm-hmm. Mais chaque n'a jamais commencé un match et puis assuré. C'est souvent quand il est remplaçant. Alors les coachs devraient s'inspirer des anciennes vidéos des matchs à Léopard pour pouvoir mieux faire le classement d'aller. Et les cas, comme à un moment donné aussi, pour qu'on soit clair en disant que les gens font leur temps. Mm-hmm. Bakam doit faire quand même son temps. On va commencer à l'utiliser comme joker. On peut donner la chance à Banza qui est arrivé. Il y a Jackson Maele. Il y a quand même du monde là à l'attaque. Comment on doit toujours persister avec Bakam? C'est vrai qu'il a apporté quelque chose de très spécifique. Mais moi, j'ai une question pour ceux qui fustigent Meshak. Non, c'est pas juste à mais quoi. Moi, j'ai une question il pour. Parce qu'à un moment donné, on sent qu'il est soufflé. Il ne donne plus ce qu'il donnait à 4-5 ans, quand il est arrivé à l'époque, et Jean-Florent, il l'a dit. Allô? Allô? Bon, Nico Kati. Donc, non, peut-être que... Oui, allô, Nico. Vous êtes en direct de Podcast Bellini. Vous avez la parole. Oui, bonsoir. Tu m'entends là? Oui, je t'entends, vas-y. Ah oui, Ndegolanga, merci beaucoup. Nous avons passé la parole. Mm-hmm. Donc, je vais commencer par te remercier par rapport à Moussa Lossalaga. Ah, merci en aussi cas, à vous. Merci à vous. C'est vraiment une très très bonne chose pour notre mm-hmm. équipe nationale d'édifier le genre. Donc, je voulais commencer par ça. Quoi. Ah, alors, l'intervention, non, Banana, nous a. Par rapport à la décision et à CAF qui demande qu'il y ait 23 joueurs pour la prochaine CAN. Mm-hmm. Est-ce que les équipes, la fédération ne peuvent pas faire quelque chose par rapport à cela? Parce qu'il n'y a aucune raison qui explique cette décision. La FIFA autorise qu'il y ait 27-28 joueurs pour cette compétition. Pourquoi est-ce que la CAF change d'un coup à comme il y a 23 joueurs? Moi, je trouve que ce n'est pas normal. À un moment donné, mm-hmm. il faut, dans les cas, qu'on mette fin par cette façon-là de s'imposer de la CAF. Donc, tout ça, on a dit au monde, à tel pays, il ne peut pas jouer et pas inaïe parce qu'il n'y a rien de mon piété. Alors que sur Zolanda, au fond, au monde, c'est plus que l'aspect sécuritaire. Mm-hmm. Donc, il faut vraiment la fédération frontale du Cameroun. Pourquoi CAF a commis la décision sans tenir compte il y a pas réalité dans le sud-africain. Mm-hmm. Donc, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que le FED puisse introduire des réclamations dans ce sens-là? Parce que moi, je trouve que 23 joueurs, ce n'est plus d'actualité pour le moment. Donc, ça, c'est la première chose. Mm-hmm. Alors, pour revenir à,
à l'équipe nationale du Congo la question de savoir quels seront les 23 joueurs qui pourront faire partie de la liste finale. Mmh. Bon, je pense que depuis Tolandi, l'éliminatoire, il y a Cannes, il y a une ossature qui se dégage déjà. Déjà, oui, ça c'est vrai. Il y a une vingtaine de joueurs de la Ligue Marozala. Mm-hmm. Est-ce qu'il faudrait se limiter à ces joueurs-là? Peut-être pas. Donc, moi, pour ma part, je me dis il faut ouvrir la porte au milieu créatif. Hein, au milieu créatif, il y a deux noms que je pourrais citer. Il y a mm-hmm. Kevoadi en Afrique du Sud. Il y a même le réserviste en Allemagne, Tafas, qui est un très bon joueur. Le réserviste qui, s'il vous plaît? Patala. Il joue à Mayence, en première division en Allemagne. Il joue, même s'il n'est pas titulaire, mais c'est un excellent joueur. Mais alors, c'est qu'il faut Bamounaye, parce que ceux qui Bamouni était Santos, je ne crois pas qu'on pourrait le ramener. Bon, est-ce que c'est à court terme ou à long terme? Moi, je suis cette équipe depuis plus ou moins une trentaine d'années. Mm-hmm. Il y a un moment donné, quand tu regardes, tu vois que non, il y a un tel point qui nécessite qu'il y ait un renfort. Il ne faut pas nécessairement être titulaire pour dire que oui, voilà, il faut être titulaire dans un club pour être sélectionné en équipe nationale. En Allemagne, on connaît la rigueur. Sous au monde, dans tout le monde, en Allemagne, pas au fond, ne serait-ce qu'un abord, il faut aller plus loin. Pour comprendre, on est le tout le monde, on a besoin de faire là-bas. Mm-hmm. Tu vois. Et moi, je parle de ce joueur-là, je le suis depuis deux saisons, mais il est très bon. Ok. Ouais. Bandekobo, likez s'il vous plaît la vidéo, aimez la vidéo parce que nous avons un mot bug et belé. En tout cas, continuez là. Alors, pour continuer, pour conclure, ouais. Par rapport à l'équipe, mm-hmm. je dirais l'équipe au niveau de la ligne d'attaque, je suis désolé, mais il faut donner la chance à Banza. Très bien. Très bien. Banza, Azan a ma qualité, Nyonsoya, un avant-centre typique. Il est le meilleur buteur actuellement au Portugal. Il sait garder le ballon, il sait jouer en déviation. C'est vrai qu'il y a Bakambu, mais à un moment donné, il faut que tu ailles un peu plus loin. Merci, Ndekonanga. Naya Mbappel à Bandeko Moussousou. Merci. Ok. Oui, allons déco. Au Kati vidéo, place aux Ali. Au Kati son, place aux Ali. Tu es en direct de podcast Bellini. Tu peux intervenir. Vas-y. Oui, bonjour, Ndeko Bellini. Bon, Nabil Nipona. Oyo, Alubaki Keno, Wissa, Abitaka, football européen. Mais Ndeko, il faut aller par le Moko actuellement. Grosse pointure, non, ça fait qui pour les autres gagner en Afrique. Ils ont un joueur qui va être en Afrique. Ils ont un joueur pour nous qui va être en Europe. Sauf au Sénégal, aujourd'hui Maroc. Maroc, où tu vois la Ligue des Filles à Pito. Aujourd'hui Maroc. Aujourd'hui, tout du tout, ils ont fait qu'il y a un joueur en Europe. Voilà, le monde de Guana, le Baki, ils ont tout débat. Au moins, ils. Tu n'as pas de problème. D'accord, on a maloba ya moi na London te wana moi na London wa zolanda yo za d'accord na maloba neti. D'accord. OK.
Football actuellement, Ibengé, Abanda bien. Nasuka, à côté de Kiyaka, Bandokiwana, Ochaba joueur à Kita, Ochaba joueur à Makende, parce que la meilleure Congolaise, vous avez dit que le championnat congolais, c'est à Kokoufa. Nasuka Wapi. Mouette? Quand tu as qui t'a gagné, après que tu es la meilleure Congolaise du moment, la meilleure Congolaise du moment, Zakinan, tu as fait photo. Vraiment. Quand Bakambu, ils ont faux débat. On a un Aïko, Giroud, à ce que vous avez une équipe de France, na na club naie, et na mondial bachaki. Ils ont coach une égale la équipe naie. Parce que coach a ça la boule naie. Tout ce qu'a battu pas na bisou ils en attirent. Mais les Camerounais n'ont pas eu le bisou sur la axe centrale na bisou pétion ou na ni Milan. Asi choc. Asi na choc. Si quoi faut que les gens courent et ils n'ont pas de salaire la part du camp en Algérie c'est Saint-Étienne. Merci na Mbappé lande ko mususu me azonga kalate. Merci mingi. Merci beaucoup. Oui, allô? Ndeko kati ocho benga kati oko rappeler téléphone antenne ezana ngo awe za libre. Bande ko na raté ba appel na bango en tout cas na zo rappeler moko moko. Voilà. Oui, allô Ndeko, aux gens en direct de Podcast Bellini, Malome Panayo. Oui, bonjour, Joshua Bellini. Bonjour, bonjour, mon frère. Ça va? Oui, donc, oui, je vais bien, merci. Mon prénom, c'est Freddy, j'appelle de Paris. Donc, pour rebondir ce que la dernière personne juste avant moi a dit, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit par rapport... qu'elle a souligné sur le football local, et le fait que Bakambu ne jouait pas, tout ça et tout, on l'a dit. Et ce que je voulais aussi dire, pour appuyer, parce qu'il y a un frère qui a appelé il y a 3-4 appels précédemment, où il expliquait que le coach ne connaît pas les joueurs, tout ça et tout. Notre ami de Londres, et, faut juste dire que si on se souvient du match qu'on a effectué contre le Gabon, on a gagné 2-0, toute sa théorie tombe à l'eau. Parce que même vous avez fait l'analyse. Regarde le positionnement, faut regarder le positionnement des joueurs. Qu'est-ce que Méchak il a fait et qu'est-ce que Bongonda ils ont fait quand ils ont joué sur le côté, le repli défensif qu'ils ont apporté, le déplacement de Wissa qu'il a apporté quand il s'est rendu disponible avec... Exactement, c'est ce que les gens ne voient pas. C'est justement comme le travail de Giroud en 2018. Il avait beaucoup apporté à l'équipe de France, mais les Français ne le voyaient pas. Mais Deschamps savait pourquoi il utilisait Giroud. Parce que ça lui permettait de garder une certaine position et de récupérer, et d'être plus défensif, mais aussi parce que Giroud, en tant que point d'appui, il était merveilleux, il était très fort. Bien sûr, il a été très précieux dans la victoire finale de la France. Et je voulais dire aussi, les Congolais, on aime bien aussi trop parler pour rien, mais Bakambu, on ne va pas l'enterrer comme ça, c'est pas quelqu'un... Non, pas du tout. C'est pas quelqu'un qu'on va enterrer comme ça, il a beaucoup fait dans cette équipe, que ce soit en interne... Ce serait aussi ingrat de notre part de ne pas le reconnaître. Que ce soit externe aussi, il a beaucoup contribué à ce que beaucoup de binationaux viennent dans l'équipe, donc Bakambu, c'est pas quelqu'un que on va la canne va se faire, il sera pas dans les 23, ça, faut pas rêver. Non, pas du tout. Donc voilà, c'est juste le point qu'il faut apporter, que Desab sait très bien ce qu'il fait. Et quand il apporte un binationaux depuis la Mauritanie, il y a eu, si vous remarquez bien, si je me souviens bien dans l'ordre, Tchiboula est arrivé, le match après, Batu Bounsika est arrivé, le match d'après, Piqué est arrivé, tous ces joueurs qu'il a fait venir, ils ont apporté un plus dans l'équipe. Et après, il y a eu les certains joueurs qu'il a fait venir pendant les matchs amicaux, tout ça. Donc Desap connaît parfaitement le profil des joueurs, il connaît parfaitement le profil des binationaux qu'il a ciblé pour cette équipe. Et pour moi, j'ajouterai que cette équipe sera prête pour janvier 2024. Et vous verrez. Très bien.
Très bien. Tu as quelque chose à rajouter? Je vais prendre le téléphone de. Je vais répondre aux autres. Pas de problème. Ok, merci Freddy. Merci. Merci pour ton intervention. À bientôt. Ok. Voilà, donc j'ai raté des appels ici pour ceux qui ont appelé mais à qui on n'a pas pu répondre. On va essayer de les contacter. Je suis désolé, Nazara na téléphone Oyo. Bandeko Oyo ba yambité donc toko benga bango back. Voilà. Donc ndeko Oyo à Londres à chaque fois benga ka luka ka polémique. Na comprendre ka été? La fois passée le bas que nous une équipe une équipe na biso zana niveau ya ba jeune na biso ba beta na équipe ya danger té. Ba équipe ba jeune na biso ba ba bas niveau. Le là benga le bi que non. Football, ce qui est en train de se faire. En tout cas, il y a la danger. Donc voilà. Je vais essayer de répondre à quelques questions. Oui, allons-y. On a mon nom Bengi Mingi. Malobeza Pana, aux en direct à Podcast Bellini. Merci pour la parole. Bonsoir, expert. Bonsoir. Je voulais simplement réagir hein, par rapport au mot que le coach avait dit dans l'émission de Langue Afrique. En fait, je pense que c'est exactement ce que Yopi Oloba qui dans le commentaire, ce que le coach a dit est vrai. Il sauve les Congolais, on s'enflamme trop rapidement, au point qu'on peut se trouver que le groupe est meilleur en Afrique alors qu'en réalité, nous sommes encore en pleine construction. Moi, je pense que lorsque même on fait l'analyse de notre effectif actuellement, oui, en attaque, il y a de l'espoir. On a un meilleur buteur, il y a Portugal, on a un meilleur buteur, il y a Suisse, on a des titulaires, on a Premier League, ainsi de suite. La défense aussi, c'est pas mal. Mais lorsqu'on regarde notre milieu de terrain, il est très, 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 très pauvre. Ouais. Notre milieu de terrain est très pauvre et on ne peut pas vraiment espérer grande chose avec ce milieu-là. Donc, je pense que notre point faible, même lorsqu'on regarde les matchs, lorsque Kakuta n'est pas là, lorsque Kakuta n'est pas dans un grand jour, on a du mal, oui. On a du mal. Oui, on est très pauvre dans ce secteur-là. Donc, je pense que Bissoua Congolais, tout se servir un peu dans la désillusion du passé. Quand tu dis très pauvre, oui. Offensivement ou défensivement? Moi, je dirais les deux. Je dirais les deux parce que lorsqu'on regarde Milien Abisso, Piquel, on dit Piquel, c'est un bon Benichou en deuxième division. Non, mais tu ne peux pas comparer une équipe par rapport à la deuxième division, troisième division. Ça, je crois que ça, c'est une mauvaise approche. Je crois que nous devons seulement les juger par rapport à leurs prestations en équipe nationale et dans leur club. En fait, ces histoires de deuxième division, première division, je crois que la réalité du football sur le terrain, je donne l'exemple du Maroc en Coupe du Monde. Le meilleur milieu de terrain, c'était Waini, je crois. Il jouait à Angers. Il ne jouait même pas à Barcelone. Je crois qu'on ne doit pas dire que voilà, notre milieu n'est pas bon parce qu'on a des joueurs de deuxième division. Non. C'est peut-être... le football a beaucoup d'histoires entre elles qui font que des fois, des joueurs se retrouvent en deuxième division. Bah, coulisses, toyébité. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux de voir son joueur évoluer, par exemple, au Bayern des minutes. C'est mieux de voir un joueur jouer au Real de Madrid. Mais ça n'enlève en rien les qualités d'un joueur. Le niveau physique et athlétique de la Serie B en Italie n'a rien à envier peut-être à un niveau, par exemple, d'un joueur qui joue en Tunisie ou qui joue en Égypte. Je crois que c'est beaucoup plus le travail d'ensemble. Ngana, tu n'as que question, on est offensif ou défensif. Parce que je trouve qu'on a beaucoup plus du mal au niveau offensif, mais au niveau défensif, Tosa presque a un très bon milieu de terrain. Milieu de terrain défensivement, milieu de terrain Moussala Kitoko. Tosa a un bon récupérateur, mais le problème se trouve au niveau Siko Yako, même Siko Ballon,
pour nous la transition na attaquant. Et si tu as toujours pêché en Rwanda. Oui, vous avez raison, mais je pense que le championnat, ici, là où un joueur joue, c'est aussi une indication. C'est aussi une indication, même si ça ne joue pas sur la qualité entre sept des joueurs, mais c'est aussi une indication. Et puis, l'intensité que le joueur est habitué durant toute la saison influence aussi sur une compétition de courte durée. Surtout pour les médiateurs. Je pense que c'est aussi une indication. Moi, en tout cas, lorsque j'analyse en tout cas notre équipe au niveau du secteur vraiment il y a jeu, moi, en tout cas, contre ma grande équipe, on va souffrir. L'attaque, c'est vrai qu'on va souffrir. Ce n'est pas que on a aujourd'hui la meilleure équipe du monde, tout ça. Mais en termes, si on va souffrir, on va souffrir beaucoup plus dans la créativité, dans le manque de créativité, dans le manque de se procurer des occasions. Mais après, le football, c'est aussi le football aujourd'hui, c'est aussi l'effet des jeux. Hein. Si vous êtes capable de créer la différence dans certaines situations, puisqu'on a des joueurs rapides, pourquoi pas? Le Gabon, c'était la même chose. On a souffert face au Gabon, mais à la fin, on a gagné. Donc voilà. Merci beaucoup, Ndekolo. Merci. Merci beaucoup. Voilà, merci. Voilà. Le football, c'est aussi l'effet des jeux. Ezaka Kate, tu as gagné Maroc 1-0 dans l'action, mon cas banal. Oui, allô, Ndeko. Vous êtes en direct de podcast Bellini, Malobe Panao. Bonsoir, Joshua, je m'appelle Didier, je suis content de... Quoi, on s'entend bien, là. Ouais, on vous entend très bien, allez-y, monsieur. Ok, alors moi, je suis très content d'être là. Mon souci à moi, c'est au niveau de la défense. L'axe central, oui, il faut comme qu'il y ait du nombre, on n'est pas assez nombreux. Vous voyez, comme le football, tout peut arriver. Hein. On peut avoir une blessure. Un joueur comme Bemba, s'il se blesse, qui peut le remplacer valablement. C'est ça, moi, je pense qu'on doit penser aussi à amener d'autres joueurs, parce que c'est important qu'il y ait de la concurrence. Hein. Mais je crois qu'aujourd'hui, ils sont à 4 dans l'axe central. C'est vrai qu'on ne peut pas. Oui. C'est vrai qu'on doit tenir compte aussi des autres postes. Et pour l'axe central, ils sont à 4. On a Chancel Mbemba, on a Dylan Batubisika, on a Enoch, Enoch, et puis on a Bouchiri. Mais voilà, vous avez raison de dire de renforcer avec des joueurs de qualité. Hein, bon, mais s'ils ne se manifestent pas, qu'est-ce qu'on peut faire, à votre avis? Qui vous dit qu'ils ne se manifestent pas? Mais oui, parce qu'on a déjà tenté quelques... Mais je crois que le coach a aussi le devoir de regarder du côté de Capoidi, je ne sais pas, de voir aussi du côté de l'Angleterre. Il y a peut-être des pépites, hein, mais raison pour laquelle aussi il y a des espoirs, il y a des sélections de U21. Bon. Après, vous avez raison de dire cela. Ouais, parce qu'il faut aussi se rendre compte que Chancel, il joue bien, mais ce n'est pas un leader. Parce que quand moi je le vois, je n'ai jamais vu un peu diriger la défense. Il ne dirige pas comme le faisait par exemple Tisseron. Bon, je n'ai pas envie qu'on a Tisseron, on n'en parle plus, mais c'était un leader qui savait diriger sa défense. Ce que ne fait pas Chancel pour l'instant. Bon, de nature, il n'est pas assez bavard, vous avez raison, oui. Ça c'est un peu embêtant quand on doit jouer contre les grandes équipes comme le Sénégal, le Cameroun. Il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui est un patron. Voilà, c'est ce qui nous manque un peu au niveau de la défense. Il nous manque un patron. Ça, il faut que l'entraîneur trouve la baguette magique. Mais vous avez suivi le début de l'émission. J'ai une question à vous poser. Vous avez suivi le début de l'émission. L'entraîneur a souligné, il a dit qu'il avait besoin de lui parce qu'il avait une certaine rigueur et une certaine discipline. Et je crois que dans l'être humain, on ne peut pas tout avoir. On va faire avec et on va prier que voilà, les joueurs... Mais je crois que c'est la raison pour laquelle il y a Moutoussami. Hein, Moutoussami est là pour recadrer un peu les choses.
Et si dans l'axe central, on n'a pas un joueur qui puisse les recadrer, on va faire avec ce qu'on a. Je crois que voilà, on ne peut pas tout avoir dans la vie, mais si vous avez une proposition, quel joueur on devrait faire appel? Non, chacun son boulot. Ce n'est pas le mien, là. Ça, je laisse l'entraîneur s'occuper de ça. Ah, OK. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci d'aimer, merci de partager. OK. Je l'ai apprécié. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Donc voilà, je crois que le monsieur a bien expliqué son... Il veut que l'axe central, il faut qu'il y ait des râleurs, voilà, des gens, des personnes du genre à Rigobert Song, des joueurs qui, voilà, comme Yves Malabs le dit, Rigobert Song, des joueurs qui râlaient qui, devant la défense, qui repositionnaient la défense. Mais vous avez constaté que Chancel Hazard vraiment bavardé, hein, à l'oba Penza Mingité. Bien qu'il n'y ait pas l'oba, mais pour qu'on râle, peut-être qu'il ne le fait pas. Mais ils ont nature à moto, hein, on ne sait pas changer ça. On ne sait pas changer ça. Bon, voilà une question. Bonsoir, Joshua. La décision de la CAF pour 23 joueurs est-elle irréversible? Je ne crois... Oui, elle est irréversible. C'est une décision qu'ils ont prise parce qu'à l'époque, il y avait le COVID. Aujourd'hui, le COVID n'y est plus. Donc, on revient à 23. Bouchiri, trop d'erreurs, même dans son club, même Dylan aussi, je regarde ses matchs dans Kaneko Réveillé. OK, bon. Si vous avez mieux que Dylan, vous pouvez toujours proposer. Je crois qu'on ne sera jamais content, même ceux qui le lobaquent, ceux qui n'ont jamais satisfait. Et je crois que c'est comme ça. On doit maintenant apprendre... les gens, les gens veulent Victor Makengo. Quand il viendra, ce ne sera plus lui. À un certain moment, le coach aussi, il fait son travail et il voit que voilà, j'ai fait ce que j'ai pu faire. Les joueurs que j'ai appelés, ils sont là. On a voulu Banzaye. Alors maintenant, il faudra trouver peut-être la mayonnaise pour faire marcher cette équipe nationale, hein, parce qu'on ne pourra toujours pas continuer à courir derrière les joueurs. Oui, allô? Allô, Ndeko, vous êtes en direct de Podcast Bellini. Kata volume est pas à Yosali. Nakati déjà. Yeah, Okati. Ouais. Bonjour, Karabia. Tozo Kaoma, Loba, Panao, Papa. Loba. Ok, merci, merci. On a deux suggestions là. Est-ce que ça serait possible que Bilo Media Bozana na étranger, Boksangana, Bomemela Biso coach, pour l'interview, parce que à Salah Ningi ba conférence de presse à Kinshasa et nous on est tous les bandes tous un peu exclus en fait. C'est une bonne idée, hein, mais ça il faudra proposer ça aux journalistes qui sont sur place au niveau de l'Europe, puisque bah on va y aller à Ningi Kuna. Donc bah on peut co-créer moi plateforme Moko entre bah Léopard Foot, on peut intéresser qui ça qui pour ça. Hein. Donc, qui est près de la sélection, parce qu'apparemment, il y a des questions proprement dites pour les journalistes qui sont ici, sur place, et qui connaissent la réalité d'ici, de l'Europe et tout ça. Ou peut-être que ma journaliste à Congo Bazan a monté. Donc, je vais dire en français, là. Durant les conférences de presse, généralement, les questions qui sont posées, ça parle jamais football. En fait, c'est souvent tel joueur, pourquoi il vient pas, tel. On parle jamais football. Et je pense que pour nous aussi, on aimerait bien avoir des questions de football, parler du système de jeu, sa vision du jeu. Et c'est des choses qu'on a jamais en fait pendant les conférences de presse. Et je pense que c'est des choses que nous, on est plus intéressés à ça plutôt qu'à tel ou tel joueur. Même si, c'est vrai que ça nous intéresse toujours de voir qui peut renforcer l'équipe, mais aussi la vision du jeu. Quelle est sa vision du jeu? On ne le connaît pas vraiment, en fait. Bon, par rapport à ses intentions, on comprend que c'est un entraîneur qui joue beaucoup plus sur les contre-attaques. Et par rapport aux joueurs qu'il a aujourd'hui, on a un certain manque de créativité, donc on va s'appuyer sur les ailes. Donc on est une équipe qui joue en contre-attaque.
Voilà son style de jeu. Avec deux milieux défensifs, c'est son jeu, c'est ça, quoi, en fait. Oui, on aimerait bien l'entendre de sa propre bouche, qui nous explique un peu sa vision, parce que jusque-là, on ne connaît pas. C'est vrai qu'on a des résultats, mais c'est quoi la stratégie de jeu qu'il applique? Okay. On ne voit pas, ça, okay. C'est pas très clair. Et ça, il faudra en parler avec Kisaki. Je vais voir avec Mouko, voir avec. On va voir avec, avec nos amis des Léopards Leader Foot, on va voir avec les Steven Bala, tout ça, et tous les jeunes qui sont au niveau de la Belgique, de la France, avec Glodiem, voir avec les David Sangwa, tout ça, pour voir si c'est possible qu'ils s'organisent dans une plateforme. La prochaine fois que les Léopards sont en stage en Europe, qu'ils organisent une conférence de presse avec lui et qu'ils posent les vraies questions. Ce n'est pas les questions du genre « quel est votre sentiment avant ?» Non, ça, ce sont des questions banales. Mais... oui, totalement. Non, pas totalement. Ou même ça peut se faire un space Twitter, là. Il est à Kinshasa, c'est possible de le faire, en fait, je pense. Moi, je ne sais pas, parce que les entraîneurs aussi sont aussi attachés à ces trucs de contrat. Quand ils signent, ils sont assignés à un certain mode de silence et tout ce qu'ils font doit être approuvé par la fédération et les ministères et tout ça, parce qu'ils savent que parmi la diaspora, il y a des gens qui ne cachent pas, qui n'ont pas de langue de bois. On pourrait leur poser des questions sur les managers, sur les transactions et tout ça. Et pour éviter cela, ils veulent pas que les entraîneurs fassent des interviews avec des plateformes, parce que sinon, moi, j'aurais été le premier à le recevoir sur ma chaîne ici, sur ma page, tu vois. Donc, ça, c'était ma première préoccupation. La deuxième, c'est, je rejoins notre ami Kina qui a parlé du milieu de terrain, et lui, au complément, qui est en disant qu'on manque des vrais relayeurs. Et je pense, je ne sais pas quel projet ils ont, mais c'est vraiment criant. Quand on regarde le foot, les matchs du Congo, on n'a pas de créateur, en fait, au milieu de terrain. Il n'y en a pas, en fait. Et moi, ça fait quelques temps que j'encourageais un peu notre ami Imoula. Mais non, je vois que même dans son club, il n'avance pas. Il n'avance pas, il ne progresse pas. Est-ce qu'il ne peut pas renoncer beaucoup, par exemple? Je pense que beaucoup peuvent jouer ce rôle-là. Et il peut le jouer à merveille. C'est ce qu'il fait actuellement dans son club, même si, bon, il joue en Asie. Mais je ne sais pas. En fait, c'était ça ma première préoccupation. Naebi, Soussi Nabino, je sais que la préoccupation... Nous avons aussi un problème, et ce problème est que on vient aussi d'un niveau bas avec Cooper. Mais avant Cooper, on avait un milieu. Moi, je me rappelle, hier, j'ai regardé la rencontre pour analyser. Je voulais partager aussi avec vous. Malheureusement, la technique m'a fait défaut. Le match, on gagne au Madagascar par 6-1. Oui. Vous savez, c'était qui au milieu? C'était Jacques Magoma, Poku et Bompunga. Et Ibenge a eu cette magie de jouer avec un milieu à l'extérieur, un milieu défensif qui était Bompunga et deux milieux relayeurs, Poku et Magoma. Mais ok, vas-y. C'est ce qu'avait fait aussi Nsengi dans un match contre l'Algérie. Exactement. Un milieu défensif, Wilfried Mouké, et puis deux milieux relayeurs. Beaucoup na Kakuta. Mais justement, le football, c'est par rapport... c'est pas seulement le talent qui compte, mais c'est l'animation qui compte dans le jeu. Et c'est là que moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec ce que Sébastien Desabre a, il ne faut pas qu'il s'entête avec les deux milieux défensifs. Totalement. Avec des équipes, quand on joue à domicile avec des équipes contre le Soudan et tout ça, si tu sais que Kakuta n'est pas là, joue avec un milieu défensif et deux milieux relayeurs. Deux milieux relayeurs, et ils vont jouer en triangle et ils vont se compléter, ils vont s'interchanger
mutuellement. C'est ça qui s'est passé contre le Madagascar. On voyait beaucoup de fois comme un 6, et Bompunga prenait la relève du côté droit, et après on voyait Magoma revenir sur le côté gauche. C'est ça qui a compliqué la tâche au Madagascar. À la fin, ils ont perdu 6 buts à 1. C'est dommage que je n'ai pas pu prendre les images ici pour vous les démontrer, mais c'était une leçon qu'on a donnée à cette équipe de football. Oui, je peux même lui donner des idées. Le gars comme Shadrack Akolo, il peut jouer au milieu. Et il fera un très bon travail. Parce que défensivement, il est bon. Et offensivement, il est bon aussi. Bon, ça, c'est une autre histoire. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais moi, je l'ai observé. Je l'ai observé. Non, il peut jouer comme 10. Ça, c'est possible. Il peut jouer comme 10. Mais il y aura toujours un couac. Face à des grandes équipes, ça ne peut pas tenir. Moi, je crois que si on veut gagner les grandes équipes, hein, ça dépend aussi du dispositif de l'adversaire. Si l'adversaire est aligné dans une façon favorable qui pourrait mettre Kakout en évidence, c'est-à-dire si l'adversaire ne joue pas avec une pointe basse, et que nous, on a Kakuta, on peut profiter de Kakuta. Mais tout le monde le sait aujourd'hui, Kakuta enchaîner 3 matchs, 4 matchs, ce sera difficile. Donc, il faut s'appuyer sur un milieu défensif à la Busquets qu'on a aujourd'hui, c'est Piquel, et jouer avec Moutoussami et Tchibola comme deux relayeurs devant pour soutenir Meshack et soutenir peut-être Bongona de l'autre côté. Nos milieux sont trop éloignés de leurs attaques. Des fois, ce n'est pas seulement la créativité. Des fois, c'est le travail d'ensemble, le collectif. Comment est-ce que vous allez, comment vous attaquez ensemble? Comment vous défendez ensemble? Raison pour laquelle Meshack, c'est le favori de Desabre. Parce que Meshack, il a cette capacité d'avancer et de reculer. Ce que les autres ne font pas. Si je vous montre le match de Diangana, quand Diangana rentre face à la Nouvelle-Zélande, les gens n'ont pas analysé. Mais Diangana a eu du mal à revenir sur son couloir. Oui, totalement. J'ai vu ça. Ah, mais beaucoup de gens n'ont pas vu ça. Diangana a eu vraiment du mal à remplir la tâche défensive. Et je crois que c'est une des raisons peut-être qui pourrait balancer en sa défaveur. Il faut faire très attention. Des Sabres, ils n'aiment pas les paresseux. Voilà. Donc, tu as encore quelque chose à rajouter ou bien on peut passer à autre chose? Non, c'est bon. Ok. C'est bon. Merci beaucoup. Donc, voilà. L'un des critères majeurs qui pourrait peser dans la balance de la sélection des 23, c'est le travail défensif des attaquants. L'une des raisons qui fait que Meshack Azalara toujours comme titulaire, surtout pendant les grands matchs, c'est parce que match, il y a Gabon, Meshack, il a fait un travail énorme. Oui, ça a fait un travail défensif énorme. Et je crois que c'est ça qui a contribué à notre victoire face au Gabon. Parce que ce qui est Azalara, qui vraiment là-bas, attaquant, bas pour replier, tout le monde a un problème sérieux. Et c'est ça, Silas, quand vous suivez l'intervention de Desabre, hein, il le dit peut-être de manière assez ironique et tout ça, mais vous allez comprendre que de temps en temps à l'intérieur des matchs, quand je fais des changements, on a un potentiel. Système à deux pointes, et on l'a vu, vous avez un grand réservoir. Quand je fais des changements, on a un potentiel offensif qui est intéressant. Oui, ça, je n'avais pas pris sur le dernier rassemblement, puis je voulais faire la place pour certains que je n'avais pas vu. Mais sinon, c'est un joueur qui est important pour la sélection. Il est pareil que Sam Moutoussami. C'est des joueurs qui sont généreux. Ouais, généreux et puis qui font pas les choses à moitié. Et voilà. Le mot généreux, là, c'est que non. Baza ba tout le monde ceux qui va continuer à terrain ba mi peut sera 100%. Raison pour laquelle bozo monaka coach Azang sera méchanté. Pourquoi? Parce que Azara généreux dans les efforts. Akomata akokita. C'est vrai. Azan ce que travail défensif on a yarom te ça là qui Azo perd de lucidité devant sur le ballon tellement que ça le travail défensif et ça là ce que non. Travail défensif et aussi lucidité
en tant qu'attaquant. Nous devons le comprendre, nous devons donner du temps. Nous devons donner du temps parce que à la fin, ça finira toujours par payer. Bongonda aussi était très bon dans le repli défensif contre le Gabon. On avait fait l'analyse ici ensemble. Boyoka Nenga Lobby. Donc, Atangi Mutusami, pourquoi le coach Mutusami passe dans la erreur et belé. Surtout dans la pass accuracy. Les passes de Mutusami sont très difficiles. Le travail offensif de Mutusami, il est très lourd. Hein? Des fois, on se pose des questions. C'est comme si c'était un peintre ou quoi. Mais dans la générosité, dans l'abnégation, dans le travail défensif, dans le repli, dans la discipline tactique, dans le repositionnement, il n'y a pas un meilleur joueur que Mutusami. Mais voilà, je crois que maintenant, vous avez le style de jeu Oyo coach Alingaka. Coach Alingaka, joueur Obaza, très fort tactiquement et qui respecte les consignes de l'entraîneur. Donc, ce que pour Silas Boyoka. Et puis, je suis content pour Silas. Quand les premières fois, je me rappelle, il avait un peu des tensions avec la fédération. Voilà, donc j'avais été faire le déplacement à Stuttgart. Et puis, je suis convaincu. Lui, c'est là quand je vois sa feinte, c'est exactement ce qu'il fait à l'entraînement. Il est joyeux. C'est exactement ce qu'il fait à l'entraînement. Ça se sent. Et pour lui, je suis content. Je suis content aussi parce que voilà, donc c'est un joueur. Donc, à ça, la rabat fin sur un entraînement. Blague, t'es bateau, bah, qu'il n'a plus d'entraînement, puis bah, témoigne un peu que Silas l'entraînement deux fois, t'es. Il y a qu'on saute pas tout ça, et c'est ça aussi, à mon avis, on a un match. Avec beaucoup plus de rigueur et de discipline, ils ont un babylon, on s'en sous, à qu'on s'en sous, à la raison, on s'en sous, à qu'on s'en sous, à qu'on. Voilà, donc il y a Randy Obams qui dit Atiak à trois milieux, Tchibola, Mutusami et Kakuta. Oui, mais Kakuta, Kolandi, ça trois matchs, il vous a la paix facilité. Alors, Kolandi, ça trois matchs, il vous a la paix facilité. Il y a moi, il faut préparer déjà ma alternative. Voilà, je vais répondre aux dernières questions. Non, une sélection comme le Congo ne peut pas avoir une tactique défensive. Bon, normalement, la combo notée peut être comme un Facebook user. Mais moi, je vais te dire qu'une sélection comme la France a une tactique défensive. La France, quand elle a gagné la Coupe du Monde en 2018, elle avait une tactique défensive. Pas une tactique. Tactique défensive, c'est pas bien dit. Une stratégie de jeu qui était beaucoup plus défensive et jouer dans des transitions rapides. Ils ont insulté l'équipe, ils ont joué défensif. Non. C'est une mauvaise compréhension du football. Moutaroki, comme vous avez une stratégie de jeu, ils ont dit, attaquant Aya, équipe adverse Aya, pour le coup, ils ont un joueur rapide. La bête, ils ont contre-attaque. Ils ont une stratégie. Ils ont obligé de jouer au salage. L'Atlético de Madrid, ils jouent comment? Ils ont une stratégie basée sur des transitions rapides. Il y a quelqu'un qui dit « Josh, arrête un peu, je ne sais pas. » Parce que Nazo, moi je reste lucide, hein. je ne suis pas dans les émotions. C'est peine la méchanceté, d'accord, vous avez vos arguments. Mais moi, je vous dis, c'est que le coach aime en méchanceté. Il aime méchanceté parce que méchanceté a zalarana discipline et rigueur défensive. Oui, tu as comme soubazan en haute. Le bowling dans le bangote. Depuis l'intégration de Silas dans le groupe, il n'y arrive pas. Bon, s'il y a mieux que lui, vous pouvez toujours proposer. Le coach va faire des choix. Balikoucha contre Angola, il est bon. Bon, mais la France a des attaques incroyables. Mais si la France a des attaquants incroyables, c'est parce que les milieux et c'est parce que le coach a fait ça qui va consigne claire et nette que voilà, ceux qui vont récupérer le ballon, boutine le ballon, pas Mbappé. Nous aussi, on peut faire la même chose. Quand on récupère le ballon, une passe, deux passes, voilà, tout le monde est méchant, tout le monde est méchant, Silas. C'est comme ça. C'est comme ça le football. On peut avoir une stratégie défensive, c'est bon, mais ce n'est pas une insulte.
hein, qu'on a une équipe, qu'on a une stratégie défensive. Il faut juste Mourinho, voilà, il y avait quelqu'un qui dit Mourinho, lui, joue défensif. Avec Porto, bah, gagne. Hein, donc, je crois que la stratégie défensive, la RDC ne peut pas jouer défensif. Bon, ok. Si la RDC ne peut pas jouer défensif, alors comment est-ce que vous voulez que la RDC joue? Si vous voulez que la RDC joue un jeu offensif, il faut avoir les joueurs pour jouer un jeu offensif. Il y a un petit aujourd'hui qui est au PSG, qui s'appelle, ouais, il a 17 ans. Je crois qu'il s'appelle Zahir, c'est ça qui m'a interpellé. Pourquoi Bazoukou Misae? Parce que Pecho n'est pas capable de récupérer le ballon, d'orienter le jeu, de kineti dans le terrain adverse, de créer une différence. C'est ça, ce type de joueur-là qu'on a besoin. Hmm? Donc, je crois que le débat ne devrait pas se situer sur la stratégie de jeu. Le débat devrait plutôt se situer sur comment est-ce qu'on va atteindre un objectif. Si on va jouer avec une stratégie défensive, on a les joueurs pour le faire. On peut fermer un bloc médian ou bloc bas et faire des transitions rapides, comme à l'époque quand on avait gagné face à la Côte d'Ivoire avec Ibenge. On avait un jeu défensif. La Côte d'Ivoire a été surprise. Pourquoi? Moniga Guénon, Tozobe Tamé. Adversaire, n'a pas ça. Surtout que bon, bazoya, papa se récupère le ballon, bamoto moni bolasi, bamoto moni kebano. C'est comme ça qu'on avait gagné la Côte d'Ivoire. On avait gagné la Côte d'Ivoire parce que on avait su utiliser les transitions rapides. Parce que ceux qui te yébaient qu'ont utilisé la transition rapide, t'es tout le monde qui t'ont s'en sortir pété. Ouais. Donc, nous on a battu les bons comme il sur les jeunes Sadiq. Bon, je crois que le coach a des choix. Et s'il fait des choix, je crois que le jeune Sadiq qui pourrait être parmi les personnes qui devraient intégrer l'équipe nationale. Non seulement lui, mais il y a un petit aussi qu'on m'a parlé. On m'a parlé de ce petit Ngalawel ou Sangalawel, je crois. Et je crois qu'on devrait plutôt tout à l'heure, on peut pas jeune, on a plutôt une idée par rapport à ce qu'ils peuvent apporter en équipe nationale. C'est vrai, Bazaba jeune, mais je crois que tout peut savoir en tant que match. Il faut qu'on garde ça, dit que oui, il faut tout peut savoir en match. Pour tout le monde, il y a un apport dans l'équipe nationale. Après, moi je suis pas là pour militer pour des joueurs que pour des joueurs que j'ai pas vraiment. Comment dirais-je? Dans l'unité, nous avons la responsable. Ah, bino batibo linga qui est. Parce que comme on a bon mot. Bajo na bino bo linga qui. Moni. Donc moi, je fais plus la. Je ne pousse plus à ce qu'on sélectionne un joueur. Mais je peux conseiller. Ouais, tout à l'aïe. Tout à l'aïe, bajo na biso. Bajo le col à Karim Kimvoudi. Pourquoi pas Karim Kimvoudi? Topé, ça a fait chance. Un très bon joueur. Topé, ça a fait chance, moi, non. Déjà, parce qu'avec Orlando Pirates, ce n'est pas le bas niveau. Hein. Donc, le petit aussi, il mérite d'être appelé en équipe nationale. Topé, là, nous, Karim Kimvoudi, AIAP, peut-être parce qu'à cause de la doublure, à cause de la paix concurrent, il y a Balikwisha. À cause de la paix concurrent, il y a Balikwisha. À cause de la paix concurrent, il y a Kakuta. Parce que Kakuta, c'est qu'il est en phase de déclin. Kakuta 90 minutes pendant toute une Coupe d'Afrique des Nationales, c'est difficile. Mais moi, si un joueur que je peux demander de venir en équipe nationale, parce que lui aussi, c'est un numéro 10, c'est un créateur, c'est un créatif, pourquoi pas Karim Kimvoudi? Non, nous te monnieti. Si Boya naïe, peut te monnaie. Parce que ce que tu le but, Bocha Sadiki, ok, ça va, mais toi, tu ne peux pas Karim. Ok, Orlando Pirates, c'est un niveau de poubelle, c'est pas grave. Mais tout le monde peut Karine, tout le monde a épée. Ce qui a décevoir, mais tout le c'est quand même chance. Bolinga qui okita. Okita, 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 okita. Le nom de l'homme okita, mais vous avez fait du bruit pour okita. Vous comprenez maintenant pourquoi on n'aura jamais bleu qu'on a comme milité pour un joueur tel. Parce que quand il va arriver,
soka decevoir ngamu tuna kozala responsable ah Joshua yom te lunga ki okita tala biloko sali tu vois donc topé sa chance na mutu nyonso quand un joueur est performant on l'invite en équipe nationale bah pessié poste totali qu'est-ce qu'il a apporté première fois deuxième fois troisième fois en tout cas ce qu'on soit apporté le côté tu quittes l'équipe nationale yango na bomo na rabat lokoba muleka bah pessié ba chance nyonso fa la joie. Tout le monde va passer la chance, non, sauf à la joie. Malheureusement, Azo décevoir un peu. Hein? Voilà. Donc, Bande Konyo, ce Bande Konyo, bien dans le téléphone, Bengi, Nazo, mais qu'à répondre à ma question, il y a Bande Konyo, Baza sur Internet, sur le net. Malheureusement, Nazana, Nazana, peu de minutes, on a tiqué le nango. N'a pas ça qui m'outunion sur le chance à pèse à Vinae. Je crois que l'équipe nationale aujourd'hui, ce qui te l'obite au constitué, les 23. Coach de Sabre a commis un problème sérieux parce qu'il aura un casse-tête au niveau et à l'attaquant surtout, parce qu'il y aura des décisions fortes à prendre, parce qu'on a maintenant certains joueurs aussi qui peuvent, hein, et ça je pourrais confirmer peut-être la semaine prochaine, deux, trois joueurs qui vont rejoindre l'équipe nationale, mais en attendant, j'attends d'abord la confirmation pour la Lingi Petinaz à la Moutou, à la Solo, à Pampambawa. Mais quand j'aurai la confirmation, je reviendrai ici pour vous le dire que peut-être on aura deux joueurs d'ici peu qui pourront rejoindre l'équipe nationale. Mais je préfère encore me taire. Parce que c'est ça, j'ai reçu cette question à Bandeko Ebele, Batuna Kinga Babaki, pour Nanini, Ozlo Belaraba Binationaux, Mingite, tout ça. D'ailleurs, c'est vrai que non, dossier à Binationaux, domaine à Binationaux, c'est un domaine montré dur à gérer. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Pourquoi? Parce que des choses sont gérées par des émotions et par des facteurs externes. Les lois, oui, lobby, papa moura bengi, noko moura bengi, tout ça, après tout change. Hein? Donc, Ndeko Aligny Makengo, arrête avec tes Karim, ok, d'accord. Bisopé Tolingi, polémique autour des noms. Hein? Nous proposons, nous ouvrons la porte à tout le monde. Hein? Karim Azalawana, Makengo Azalawana, ce n'est pas notre problème. L'essentiel est que Tolingi, tout le monde a un joueur Nyonso. Pour Bisopé, Bisopé, on a une idée. On a Tolingi qui match Angola. Tout ça, on a un peu de mis pour comprendre ce qui réellement doit se passer sur le terrain. Malheureusement. Tokanga ba porte pona mututé ba oyo ba si bazu ba chance na bango ba baté la ba chance na bango ba oyo ba yeba ko profiter na ba chance na bango nzambe pas wa lokumu mais to moni ba jeune nini ba ko ki ko longwa probablement to yebi déjà bango donc voilà. Voilà, mon question va tout n'anga. Tu ne parles pas de Mendes, tout ça. Naoti ko lobango sikoyo. Et ça n'a pas dossier, nous sommes n'a pas s'exprimer, parce que ils ont dépendu d'un facteur externe et belé. Alors, n'a n'a pas battu la réputation, n'a pas battu la. Oui, n'a pas en direct, il y a podcast Bellini, où il faut intervenir. Oui, allô. Lobango makasi, hein. Sur l'Afrique, la RDC, la région de l'Europe,
Donc, t'as une équipe nationale, la RDC, pourquoi on n'a pas organisé le stade, t'as la championnat de la RDC. Le championnat, il y a beaucoup de coups, il y a des joueurs qui ont été joués, donc, il y a des joueurs qui ont été mal, beaucoup de gens, ils ont été joués. Des gens qui ont été partis, ouais. Ndeko, ozobe nga biso partir awa. Allo? Allo Ndeko? Allo? Ozobe nga biso partir awa Ndeko? Ah, ozana Lubumbashi. Ndeko na biso Lubumbashi. To sepeli mingi, en tout cas, eza pasika andengo lobi. To sepeli mingi na intervention na yo. Oui, bon, tout le monde sait, mais tout le monde est à la lobby. Tout le monde est à Constant Marie, mais tout le monde est pour nous en meilleure condition. Ça va, ok, merci beaucoup. Merci, Nico. Je vais vous dire que je suis à la par exemple, Trésor Mpoto qui dit à Ba, Joël Kimaki, je suis à l'Europe qui est pour nous. Aux autres, n'a pas eu bien. On a tout un rapport pour la baguette à la RDC, à la RDC. Parce que nous avons un peu de stand à la RDC, pas de bima. À qui peut-être que les bandes tombent en ligne, les autres tombent en méchant, les lots tombent en bonne. Allô? Ndeko, raison à l'aise à mon goût. Avec la zone à ma méga ébélité. Abakazan a ba mega ebeleti. Bon, ndeko. Allô? Oui, allô. Loba na yo ndeko, lobi ozongo yeba pona nini ba ndeko ki dia ba kenga na poto te, c'est ça? Bon, azan a problème mega bon. Azobenga parti à Lubumbashi. Bon, je crois qu'il a un problème de réseau et de mega. Voilà, bandeko, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Je sais que non. Je sais que je n'ai pas répondu à toutes les questions. Mais Nalingina et Bisabino que sur le niveau de la défense, je ne crois pas que Soso sera écarté. Nazope Sabino, Nalingi foudreté. Je ne sais pas. Je ne crois pas que Soso pourrait être écarté. Si aujourd'hui. Azongeli Kobetanae normal. Hein? Je ne sais pas et je ne crois pas. Bon, Ezad, peut-être à Vinanga, peut-être que je pourrais me tromper. Na niveau à gauche, il y a des certitudes. Na niveau à axe, je crois que le coach va maintenir son groupe, à moins qu'il y ait un renfort. Na niveau à milieu, le coach a voulu laisser la place pendant le stage et il a demandé, il avait mis Panzu et Nfulu un peu à l'écart, mais ça n'empêche qu'il pourrait toujours revenir. Un des deux pourrait revenir. À niveau, il y a milieu créatif. Oui, allô, Ndeko, aux en direct à Podcast Bellini, au Goki Kozong. Okoki pour intervenir. Allô? Allô, Ndeko, le bon moment, Kassi, hein? Vous avez besoin de partir à Wapi? Allô, la zone est bien, les sous-sous. Ah, Yom Talubumbashi, ok, vas-y, Zalamo expéditif, hein? Zalamo rapide. On a envoyé Bapouani Batidia Babazana Potote. Comment on fait, Yulu? Ah, Fabrice, ok. Fabrice, on a On a Ah, ok, bon.
L'Andabisoka, c'est une émission, tu as sa réponse. Merci, Mingi, pour l'intervention. Dans ce cas, il y a quelques minutes pour la carte. Ça n'a pas plus de deux heures. Hein? Ok, merci. Merci, Mingi. En tout cas, merci, Mingi, pour l'intervention. Donc voilà, au niveau de la défense, on ne sait pas. Ceux qui sont sur les lots à Zongeli Kobet, une équipe naïe à Ukraine, je ne sais pas et je ne crois pas que les Sabres au Kataé, ils ont une relation très, très, très forte. C'est vrai que Nani. Oui, allons Ndeko, vous êtes en direct de podcast Benini, Zana et Sengoya Koyokayo. Oui, merci beaucoup Ndeko. Nazo Benga depuis Montréal, Canada. Oui. Nazo Benga, je beaucoup plus pas vraiment une analyse, mais j'ai quand même on va remarquer à Mickey par rapport à Bandeko Moussoso, parce que là je suis sur le groupe WhatsApp. Réagir par rapport au comportement y a sélectionnaire la Bissot. Et puis fanatisme est tellement mingi, donc je me pose la question, est-ce que nous allons vraiment analyser objectivement dans le groupe à WhatsApp? Oui, dans le groupe à WhatsApp, oui. Débat est Zakuna. Est-ce que vous allez quoi analyser vraiment objectivement football la biso pour la et avancer ma langue ou bien vous allez par fanatique et par joueur ou bien tout le monde nostalgie et un joueur qui a bu il y a 2-3 ans et puis ces joueurs là pour la main il faut qu'à raison à l'élo sans pour autant tenir compte des critères ou sous par rapport à l'évolution et à ma joueur la biso. Alors, et donc on a remarqué mon mingi. La banalise, la bisou, je ne sais pas pourquoi. Émotion est tellement mingue. Et puis, toujours, ça vraiment chance dans la coach, la bisou, pour ça, la moussala, elle est comme il faut. Par rapport, il y a un débat où, dernièrement, il y a réaction au lobby, là, qui ont déjà réaction à la coach. Moi, je pense que notre coach aussi, a la show, là, il y a qu'on a la diplomate dans ce qu'il dit pour pouvoir préserver aussi. C'est pour diminuer la pression, pour ne pas mettre la pression sur les joueurs, c'est tout à fait normal. C'est le joueur exactement, mais pour la carrière, on a épais. Ouais. Il faut avoir un acteur qui est intelligent parce qu'on ne sait jamais, il ne va pas finir seulement avec la RDC. Donc tout ça, ça joue aussi. Donc il ne peut pas commencer à dire des choses sans pour autant réfléchir, qu'il y a un joueur très intelligent pour qu'il équilibre, fédération de ce ouais. Parce que comme le bac, on peut être humble, on ne sait jamais être prudent, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football. C'est une manière de refouler la pression aussi. Exactement. Voilà, c'est ça, j'ai constaté quand même là-bas, débat la dissous, banalise, quand on est bébé, tout ça, puis là, on a émotion et bébé. En tout cas, quand on est WhatsApp, Bobino va ta WhatsApp, Bozakuna na Zoya, ceux qui n'ont pas ici live. Nazo ya kuna bandeko nyoso baza libanda ya idealisme ya belinisme en tout cas to kocha bango libanda mais bo bate la groupe bo ezala désordre te Nazo ya Nazo ya merci mingi vraiment merci OK au revoir donc le coach je crois que c'est vrai que le coach a une façon à lui de refouler la pression. Non seulement humble, réaliste, mais aussi c'est une manière de ne pas trop s'amener de la pression sur lui. Vous comprenez? Oui, allons des causes en direct à Podcast Bellini, au Kati Radio et Sikozali, au Tikal na téléphone. Bonsoir. Bonsoir, oui. Bon, là, je vais intervenir, Kaka, côté Olobi Bakarim qui fuit du Rwanda. Yeah. Voilà.
défenseur ou la débat donc bino parce que vous avez bino c'est que vous avez tamuko kwa mali En tout cas, Congolais la mystique. Mais ma soeur a convaincu la communauté pour Azako Beta ou bien ma soeur a Azako Beta terre, mais je crois que ma soeur a Beta un match belé contre Benin, a Beta danger, tout ça. Bon, on a évité match Nini. Ou Azako convaincu la communauté. Mais sera Ibenge, Ibenga Azakina Ngonda. Azako Tcha était parce qu'Azako préférait Ngonda. Et puis Ibenge, c'est un joueur très prudent. Ibenge, c'est un entraîneur très prudent. J'ai dit que ma soeur Kazaki est mauvais, mais ma soeur Kazaki a une grande prise de risque. Vous l'avez bien, c'est là. Ma soeur Kazaki a un risque offensif. Oyo, entraîneur, Kazaki est très prudent en se permettant. Vous comprenez? Ce n'est pas Kazaki mauvais, hein? Ce n'est pas Kazaki mauvais. Mais je crois que coach Ibenge Azako banga kozwa ba risque avec ma soeur, parce que ma soeur prend des risques offensifs. Bah, risque offensif, il faut avoir un bon match contre Besiktas. Il y a eu deux ou trois matchs natales, un match naïf, perte de balle, contre-attaque, banquissé. Mais ça prend des risques. Mais quand ces risques sont simbi, en tout cas, et sous Kakan a babu, tout mon abio, tout marqué contre Gambie, c'est lui qui remonte avec le ballon, qui dribble et qui donne la passe à Mouleka. Tout mon abio a marqué contre Mauritanie, tout mon match à Beta contre Benin. Tout le monde a centré à Salah contre Benin aussi. Oui, Ben Malanga a un penalty. Donc, il faut quand même tous la reconnaissant d'un côté, même si tout le monde a joué en Nyonso, mais entraîner un entraîneur, ce n'est pas parce qu'un entraîneur te met sur le banc que tu es mauvais. Hein. Des fois, c'est une stratégie de jeu aussi. Moni, voilà un peu. Très bien, merci Ndeko. Merci Mignon. C'est pas une intervention dans Makasi. C'est pas une intervention dans yo. Mais il y a des gens qui ont même mais yebisaba ndeko nyonso ya Congo na Kinkuna que on est ensemble que bandeko babeta na pote babeta na Afrique c'est la même famille, OK? La même famille, voilà.
Merci. Merci, Ndeko. Oui, allô, Ndeko, aux en direct à Podcast Benito Yambi, au Malubé Panayo. Bonjour. Mais j'appelle, déjà, premièrement, je vais vous dire félicitations, merci beaucoup pour tout le travail que vous faites. Merci à vous. Vous êtes en train de vulgariser le football pour les Congolais aussi, puis ça nous aide tous à comprendre un peu mieux l'aspect tactique des choses. Mais moi, c'est pour la dernière personne qui a appelé, au fait, qui parlait de Soso. Soso, il est, selon moi, ça c'est vraiment mon humble avis et tout, mais l'affaire c'est qu'avec Soso, offensivement, des fois il apporte, mais de un, ça n'aboutit pas réellement à quelque chose. Dans quelque chose de concret, à quelque chose de concret, et non seulement ça, aussi défensivement, c'est quand il revient défensivement, souvent il est un peu déboussolé, donc son replacement n'est pas bon. Et souvent, ça nous cause des problèmes. Si vous regardez, par exemple, le match retour qu'on avait joué contre le Maroc, ils se sont ajustés et ils ont beaucoup exploité le côté de Soso. La même chose s'est passée quand on a joué la Mauritanie au match retour. Beaucoup des actions passaient par le côté de Soso. On a commencé à subir et éventuellement, on a pris un but. Donc, moi, je ne pense pas que Soso, ça serait... Mais apparemment, l'entraîneur apprécie son profil. On peut pas nier que l'entraîneur apprécie son profil. Moi, ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. En tant que titulaire, moi, je n'aurais pas nécessairement mis un Soso. Je pourrais l'amener à la CAN, juste parce que non seulement il vient avec l'expérience africaine qu'on a besoin dans notre équipe actuelle, et aussi, comme vous parlez des fois aussi, c'est cette folie-là qu'il y a des fois des joueurs congolais aussi qu'on a des fois besoin. Il peut venir et puis... Soso, c'est un joueur que si, par exemple, un Kaloulou ou un Baye se blesse, il peut rentrer en cours de match et il peut faire quelque chose. Il n'aura pas cette peur-là, des fois, que les joueurs, moi, je pourrais dire binationaux, quand ils sont devant des grandes situations, des grands matchs, peuvent avoir dans certains cas, puisqu'il y a une réalité africaine qu'il n'y a pas nécessairement en Europe, surtout quand on parle de l'enjeu des matchs, la pression aussi. Donc, il y a aussi ce... J'ai une question à poser. Oui. On a tous suivi le match face au Gabon à Libreville. Est-ce qu'on peut dire à 100% que Soso était mauvais? Non, il n'était pas mauvais. Bon, dans le repositionnement défensif, il avait certaines incohérences, mais est-ce qu'on peut dire qu'il a été mauvais défensivement? Bon, moi je vais répondre à ça. Non, il n'a pas été mauvais, mais si on aurait pris un but, parce qu'on a aussi beaucoup subi contre le Gabon, si on aurait pris un but, je pense que les gens auraient... Ou bien, si on aurait pris, on va dire, si on aurait fini à 2-2, ou bien on aurait perdu 1-0, je pense que beaucoup de gens auraient parlé différemment aussi de ce match-là. Je pense que c'est plus le résultat qu'il a peut-être couvert à ce niveau-là. Mais sinon, selon moi, Soso, c'est pas la solution à notre problème. Par exemple, Kaloulou aussi, il me convainc pas présentement, mais le jeune Baye, en tout cas, c'est juste un match amical et tout. Mais je pense qu'on pourrait essayer de voir un peu plus là-dessus. C'est sûr que Wan-Bissaka, ça serait peut-être la solution, mais on ne va pas rentrer, comme vous avez dit, dans les joueurs qui ne sont pas encore décidés pour venir et tout. Mm-hmm. Mais je pense que Baye, défensivement, ça va. Il vous a convaincu défensivement, Baye? Défensivement, j'ai dit ça va, comparativement à Soso. Et non seulement ça aussi, offensivement, je trouve quand même qu'il a quand même eu quelques apports. C'est comme si c'était un seul match, donc je peux pas, comme j'ai dit, on devrait le voir un peu plus. Mais moi, comparativement à Soso, je prends Baye, c'est sûr. Parce que moi, je dirais comme un Baye, c'est... Parce que vous, je vois que vous êtes un grand fan de Joris KMB. Pour moi, un Joris et un Baye, c'est le même genre de joueur. Oui, c'est le même genre, mais... Ok. Non, moi je suis là pour vous écouter. Hein. J'écoute ce que vous dites. On va pas. Moi, je vais pas vous contredire. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je vous donne juste mon point de vue, puis c'est pour aussi répondre à l'autre qui parlait de Soso. Kaloulou, c'est sûr que offensivement, il apporte pas beaucoup. De ce que moi j'ai pu voir, offensivement, il apporte pas beaucoup. C'est sûr aussi, il a été responsable au niveau du pénalité, du pseudo-pénalité qu'on a eu contre la Nouvelle-Zélande. Mais jusqu'à date, Kaloulou, il m'a pas convaincu. Mais c'est déjà mieux que Soso. Ça dépend vraiment, ça peut dépendre aussi de l'adversaire qu'on joue contre. Mais moi, tu me dis Soso,
Sosso, c'est le troisième remplaçant. Si on prend 3-3, latéraux droit. Mais je pourrais l'amener à la CAN juste parce que non seulement il a de l'expérience en Afrique, il a côté expérience, il l'a, et il n'aura pas cette foudre-là des fois qu'on peut voir certains joueurs quand ils sont. Quand tu mets Sosso sur le terrain, tu sais à quoi, tu sais c'est quoi ses forces et ses faiblesses. Donc, si tu ne vas pas t'attendre à plus, tu ne vas pas t'attendre à moins. Il va faire ce qu'il va faire. Ok. Ok. Merci beaucoup. On va répondre aussi à d'autres appels. Merci. Hein. Merci pour ton intervention. Oui, Alon Deco. Ozubeng à partir. Yawapi, Podcast Béni vous reçoit. Vous êtes. Yon Deco, Alon Deco, Lukaba, polémique et Bélé Bélé. Pesa Bissouna, nous combons à Olu Sous. Matsa volume, Kuna Panayo. Emmanuel Loba. Soso, allez, congolais, congolais. Parce que comme tu as salé, ils sont moins déguisés. Yo, le bacaca. Wabi, prince de Liège, Munda Ilunga, El Pacho, Fabrice, Muntunavino, Lugagi à Londres, Yéwa, Yéwa, Yéli Soso. Est-ce que Soso Salini? Soso Kakoyu, Batman, Soso Zuma, Soso. Mais bon, tu as analysé ma loba entraîneur. Tu as dit que tu as un peu ça. Bon, tu as un entraîneur à l'obi boyé. Ah non, qui n'a pas tout passé, vous savez. Bah, le but pour une fois, on le vit bien. Ok, merci, merci. Merci de Ngolaraï. Merci Mingi, merci Mingi pour l'aide. Merci de Ngolaraï, merci pour l'intervention. Merci, merci, merci. Ah, bonjour Nekozan, direct à Podcast Bellini. Malobe Panayo. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Je voudrais intervenir, Moukien, juste pour avoir la sélection. En fait, dans le monde, le football, il y a trois sortes de joueurs. Il y a un joueur qui est un porteur d'eau, un joueur sur le terrain, relayeur et entraîneur sur le terrain. Et puis, un joueur sur le vestiaire. Pour moi, ce soir, là, vous allez porter d'auto, jouer Moko et à Nini à investir. Mais le problème, c'est quoi? Ce soir, signer contrat Moko à Ukraine et que Ukraine, le championnat, répondre à ce côté et qu'en face de la 10 janvier de l'année prochaine. Donc, compétition dans deux mois. Donc, il y a forte possibilité qu'Aza la retenu parce que Aza a un match de football. On a compétition dans les jambes. Donc, il ne sera pas retenu. Il ne sera pas retenu. Non, ça veut dire qu'Aza a 6 mois sans jouer. Compétition mondiale. Donc, ça veut dire qu'il n'y a jamais, jamais pour répondre à vos bêtes. Mais pourquoi il a fait un choix pareil avant la CAN? C'est mal réfléchi et ça, il faut jouer parce que. C'est vraiment mal calculé. Ma conseillère qui était. Donc, à signer contrat, on a écrit on a vu que jamais il ne sera pas signé. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas jouer, ils ne vont pas répondre maintenant jusqu'à janvier. Donc, il ne va pas jouer. Attention, lui qui n'a pas sélectionné, on ne sélectionne pas, on s'est parce que le football professionnel est pardonné à T1. Donc,
il ne sera pas retenu. Donc même Bakambu, Azo risque à retenir. Pourquoi? Parce que Azo joue. Bakambu peut Azo risquer. Azo risquer, peut. Parce que le roi n'est pas dans Sébastien de Sabrana, à Osan, ma moitié de. Vous comprenez? Ils ont joué dans la ligne, comment on dit? Et le roi, au fond, à Sané, au moins, ma casse dans la compétition, niveau n'est mati. Ni n'est mati. Comment on appelle ça? Les quotas, donc ça veut dire que à Royal aussi on a comme l'aventure. Donc ceux qui il peut prendre des risques, net va jouer, net va à nos calumets de Royal, bah quand on a un risque, ils sont asiatiques. Donc ça veut dire les présélections ça les déjà la jeudi. Mais oui, naïbi que jeudi, naïbi que jeudi au bas ça présélection. Mais les joueurs qui seront au match contre la Mauritanie et la et le Soudan. C'est presque les 23 de la CAN. Hein. 90% même, parce qu'on ne voit pas de joueurs manquer à ce rassemblement et se retrouver à la CAN. Oui, donc ça veut dire qu'il va, venir, il va ramener des joueurs où ils sont négociés, où ils sont ramenés, pour te dire qu'il va déjà confectionner la liste des gens mérités. Pour te dire que pour rater une compagnie, maman, tu me balais, à la fortune, ça non. Mais il y a bien beaucoup de conseillers, des joueurs, on a niveau, il y a niveau, il y a des transferts. Vous n'avez pas pu conseiller Soso avant ça, le transfert, on est en Ukraine. Moi, je ne suis pas en contact avec lui. Mais moi, je me dis, donné comment un type peut réfléchir à ce point-là, à qu'il aussi est contraint à Ukraine, ou avec une guerre, les amours. À ça, la Maroc, en fait, bien, à ça, la compétition, à qu'il aussi est contraint à Ukraine. Merci beaucoup. Merci Minginalinga qui a profité de l'occasion pour na saluer pe ancien léopard na biso Luinda manamona ki sala ki ba œuvre caritative au niveau Congo. Oui. Donc hôpital moi m'emmener donc ils ont un peu vraiment hôpital de référence à côté. Et puis voilà, ça la Galatasaray a osé la juste négocier pour qu'il était à l'eau. Mais peut-être que Galatasaray va libérer librement parce qu'il ne joue pas, mais ils recevront un salaire. Donc ils ont un peu de chance pour la Galatasaray. Et notamment, dans les Bakam, il ne fallait pas aller à la Galatasaray, sinon il va 9 000 basses ici. Donc, erreur à casting. Ah, ok. Ça va. Merci Mingi pour l'intervention, okay. Christian. Ah, merci, toujours. Toujours un grand plaisir de t'avoir en direct. Merci. Donc voilà. Bandekwebele Bazobenga. Bonjour Ndeko Zobenga Podcast Beni. Ton intervention est une mine d'or pour nous. Vas-y. Bonsoir, merci. Merci pour la parole. Moi, je voulais parler à, genre, par rapport à Soso, à Bakambu. Parce que voilà, en fait, à Vinanga, ils ont bruit. Moi, pour le moment, ceux qui Soso, à Zalakana Club, par exemple, à Zobita régulièrement, voilà, ou à Zoso, quelque part, ils ont parce qu'ils ont canne. Ils sont vraiment émotif parce que tout comme ça, ah, pour jouer à Zobita, bien à Poto. Tout partout dans le monde, tout le monde, parce que quand ils ont, je pense que des sabres à cause d'un joueur Oyo a évalué depuis, voilà, depuis Ayaki Tilelo. Je pense pas qu'il y aura vraiment pas de surprises. Par exemple, je vois pas, par exemple, un Bayeri, bon, sauf surprise, hein, à Kindekan. Bon, ceux qui sont soit à la enfant, Nangina Zoué, peut-être pas à la doublure et à Kaloulou. Mais le problème, il est où? Ceux qui sont soit à Zoni Sikoyo, par exemple, moi, personnellement, on a été parce que à sa mi-temps, il est belé à petit. Ça fait 4 mois qu'il a son dernier match remonte, un match à Gabon. Donc, pour un athlète professionnel, 4 mois, c'est beaucoup. C'est beaucoup. 4 mois, ça, c'est vrai. Je ne peux pas les combler en 2 mois. Attends, il est lourd. Je ne peux pas combler ces 4 mois-là en 2 mois. C'est compliqué. Il faut nous, voilà, ou bête à match. Même la club, je ne pense pas qu'à Obama Balamoko sera à son libre entraînement. À moins que Azalit l'iné pour, par exemple, parce que Club Pézan en souffrance, pas n'importe ça, attaquant, peut-être que ça en avait bon, mais ça sera peut-être difficile par rapport à. Mais Lelo, avec la forme de l'iné, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un client potentiel pour la CAN?
parce que bah quoi longo la total na liste ouais, parce que il est pour le problème c'est na poste na concurrence à Makasi. Toi même pas sûr que bah joueur net bah Wissa net bah Diangana bah en fait on est vraiment pas sûr en fait qu'autant la pénate autant la pénate bien parce que je pense que mais ça bah vous appelez quatre liens je vois quatre mais liens, alors quatre liens mais justement la question ici toi en tant que technicien aujourd'hui, si tu dois composer dans un 4-3-3, ça signifie que tu prends 4 milieux, 4 ailiers ouais. et 3 attaquants de pointe. Parce que tu joues dans un 4-2-3-1, donc tu n'as pas besoin de 4 attaquants voilà. de pointe. Donc, si tu prends 4 ailiers, à gauche, tu prends qui? À gauche, je prends Silas et Wissa. Et à droite? À droite, c'est ça le problème en fait, parce que pour moi, à droite, j'hésite entre Théo, Diangana et comment il s'appelle, et Meshak. Ah, donc, meilleur, voilà. Après, mais tu m'as roulé là. Mais c'est mes armes, ils ont tête à Marambo. Hein. Après parce que là, on a tapé par rapport au équipe nationale, les aura jetés. Hein. S'il faut vraiment être plus réaliste, peut-être non, 4 à Diangana, vraiment, parce que oui. Jean en novembre, on sera allé. Mais Biloko Diangana Salawana, Nana Talaki match na compte, il est fort, mais défensivement il n'est pas fort. Défensivement. Parce que dans 4-3-3, ça dépend pas de coach à Rosala. Parce que dans 4-3-3, ce qui est bien le 4-3-3, c'est vrai que l'ailier peut défendre, mais on ne va pas lui demander de défendre comme un milieu excentré, tu vois. Mais l'avantage que les autres ont par rapport à lui, c'est qu'ils sont beaucoup plus polyvalents. Oui, ça, tu peux le mettre en pointe à Obeta. Silas, Orocha est en pointe à Obeta. Meshak, Orocha est en pointe à Obeta. Tu vois? Et Diangana, il est beaucoup plus... Dans la polyvalence, je crois que l'adversaire n'est pas Zoliaï. Mais Lille, pour Pessora, continuer aussi. Lille, pour Pessora, continuer. C'est aussi un client potentiel. Mais dans le milieu, s'ils prennent 4, s'ils prennent 4... Pour moi, bah, Elenion, c'est pas client, bon, à part Kolo, Nabokita, mais je ne vais pas foutre, mais à part Bango, Mais bon, l'ingé qui est au kitat, nous avons un gros salaire d'analyse dans l'internet, oh, pour la ligne, bah, tiki au kitat, bah, au kitat. Au moins, il y a un gros salaire au kitat parce que, mais il y a le type de joueur qui est, ah, il est bon, il y a un foutre, il y a un gros salaire qui toko, bah, il y a un gros salaire, mais je trouve que c'est un peu tendre, au moins. Non, parce qu'apparemment, la tendance aujourd'hui, c'est quoi? Dès qu'un joueur commence à marquer, bon, c'est vrai qu'on doit le voir, mais n'oubliez pas que dans le championnat, il y a des joueurs qui ont joué à Bordeaux. Je me rappelle à l'époque, à Bordeaux, l'Aslande, je crois. Ah, type Nazara, Tchaba, Bimoko, mais je vais avoir une équipe de France, Mboani Nuan. Voilà. Niveau et à club, na équipe nationale, les arapés différents. Donc, il y a des joueurs qui sont prêts pour une équipe nationale. On voit directement la différence dans le niveau. Il y a des joueurs qui ne sont pas prêts pour l'équipe nationale. C'est un peu ça, la différence entre Naloba et Moumen. En tout cas, merci beaucoup pour mon technicien préféré, Destin. Je pourrais te contacter d'ici peu. Pour Nabakam, vous êtes au Salobi. Le loto lobby, non, ma défenseur. Ok, merci, au revoir. Oui, à l'onde des causes, intervenir à partir à Wapi, au Bengi Bisso, tu es en direct de podcast Bellini, Malobe Pana. Allô? Yes, allô. Oui, Tozo Yokao, on vous entend, français, anglais, lingala, vas-y, portugais, Yokao. Allô? Tozo yo kayo papa, loba, tozo yo kayo. Kata video kuna place ozali. Kata video place ozali po yo kanga partir à téléphone. Ok, ça va, c'est fait. Ok. Je fais dit depuis Dallas, donc comme la Roma trop. Ah, ok. Finalement, l'occasion y'a encore en contact. Mais je profite de l'occasion, bino wande ka Dallas, nazoya kalate na Dallas kuna. Donc j'espère que vous voyez mbanga malam. Bienvenue déjà, bienvenue à Dallas. Merci. Ok, déjà. Merci. Ouais, en fait, je te suis depuis longtemps, depuis en tout cas beaucoup trop
de temps. Oui, merci. Je voulais aussi intervenir aujourd'hui avec mon sujet, moi, Bélé. Pour permettre peut-être Nazo Matam Souci, écoute à Tam Souci hors sujet. Mais non, vas-y, tu es libre. Vous êtes libre, papa. La fois passée, j'ai vu, tu as publié le week-end d'avant, là, la photo d'un monsieur, bah, nous, le bazar organisé par match, voilà. Ça m'avait tellement fait mal. Je ne sais pas si c'est à quel niveau tu es. Parce qu'il faut aussi qu'on se le dise. Le sport, c'est aujourd'hui l'organisation. Et l'organisation, ça tourne autour des bons hommes. L'autre, il y a un match amico, il y a une équipe amilène. Mais le match amico, aujourd'hui, l'équipe a remonté la dame sur la capacité à rentabilité. Pour remettre un match dans le Sénégal, il y a un stade à la plein. Dans le Talib, il y a un match, il y a une vidéo, il y a un comment ça, il y a un plein. Vous allez être hésitant. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire tout ça, ça compte. Et ça peut-être pour que prochainement, ça ils allaient arranger. Mais la monnaie dossier, on est les gars dans les vents comme ça, c'est peut-être déjà cause à un trimo qui peut s'attendre sur le parcours dans le prochain mois, dans les prochaines années à sélection. Alors, pour le côté sportif, j'ai analysé aussi la dernière fois que j'ai fait la vidéo, il y a comportement au Sénégal. J'avais tellement aimé. J'avais tellement aimé la double paire là, Nampalis, Mendy et l'autre, tu l'as oublié là, au milieu. Alors, je suis en train de me poser la question. À l'heure actuelle, c'est vrai que sur le plan, il y a milieu de terrain, la sélection nationale avec des sabres, compte quand même beaucoup de profils et de certains joueurs. C'est vrai qu'il y a des défauts encore sur certains plans. On ne sera pas complet dans tout le plan. Mais avec le profil qu'on a là, je suis en train de me demander, est-ce que c'est possible de former une double paire dans le milieu Morocco et sur qui on peut compter pour avoir le quoi? Oui, c'est possible. C'est possible. Oui. Et puis, autre chose, c'est quoi en tout cas l'idée du jeu des sabres? Bon, c'est vrai que ça, c'est des fois des secrets à coach, à Robin Sarantam, Soubouetta, à côté de Téhil, qui va faire ça, va pour la taille. Mais, on peut quand même, quitte dans la philosophie, moi, je me dis qu'avec la qualité de joueur qu'on a vu durant l'éliminatoire où il y a Cannes et puis certains matchs amicaux, je me dis que certains joueurs offrent cette possibilité-là de faire développer un jeu, surtout au milieu de terrain, un jeu offensif avec une animation offensive. J'ai tellement envie, moi, de voir à quoi ressemble Piquel, qui a par moment un profil à la Busquets, un profil à la Pogba. J'ai envie tellement de le voir. Qu'est-ce que ça va vraiment représenter? C'est pourquoi, dans l'Inga, je ne suis pas trop dans les histoires là. Au Barça joueur, parce que par moment, rajouter deux joueurs, ça casse aussi une dynamique. Ça, c'est vrai. Une dynamique où certains doivent prendre des automatismes. Vous voyez un peu. Si vous rajoutez tellement trop de joueurs, ça casse la dynamique. C'est pas pour rien, le Lobo Monara, l'équipe de France, des gens fidèles à son chouchou Griezmann. C'est parce qu'il y a certains joueurs qu'on ne bouge pas, qui ne jouent pas. Qui sont en forme, qui ne sont pas en forme. Ça, c'est vraiment ce que je voudrais voir avec des sabres. Il y a certains joueurs qu'il peut considérer comme de vrais pions, en forme ou pas, qui est basé à la maintenir sur eux, il peut bâtir une certaine animation. J'aurais aussi voulu intervenir par rapport à Ndekwazoul Bamaramba Soso. J'ai jeté un coup d'œil rapidement, heureusement que Google Pay existe. J'ai jeté un coup d'œil rapidement dans Google, je vois que le championnat ukrainien se joue, c'est la 12e journée. Donc, maintenant, la question c'est de savoir, est-ce que le choix de Naya Soso en Ukraine, est-ce que ce n'était pas seulement le seul club prétendant à Zakinamo sur la table ou pas? Parce que des fois, ça peut sembler aussi un choix bizarre. Ouais, pour ça, je n'ai pas de réponse. Pour cette question, je n'ai pas de réponse. Peut-être que les agents qui nous suivent pourraient nous appeler pour nous donner certaines précisions. Mais pour les autres questions, pour la question que tu as posée par rapport à la double, si, par rapport aux intentions, par rapport à la stratégie de jeu, je crois que un style de jeu aujourd'hui, une identité de jeu aujourd'hui,
je dirais, dans le monde. Avant, on avait une différence entre le Brésil, par exemple, et l'Allemagne. Ouais. On avait une différence entre l'Espagne. Je crois que l'Espagne est le seul pays aujourd'hui qui peut se dire qu'il a gardé une identité de jeu. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais après, on a des stratégies de jeu. Et quand tu regardes le profil des joueurs de l'équipe nationale que nous n'avons pas un profil d'une équipe qui passe par qui a une organisation par des attaques placées. On n'a pas les joueurs surtout pour. Dans la verticalité. Voilà. Ça, on n'a pas les joueurs pour ça. Raison pour laquelle Bozomona que des sabres azo s'appuyer plus sur les transitions rapides. Mais c'est aussi la marque des Français. Hein. Les Français, oui. Bango, même coach Bengue, toujours deux milieux défensifs, un milieu offensif et puis trois attaquants. C'est-à-dire pour ouais. Nabango, modèle Nabango a aimé Jacques à côté là, Bango en 1998, il y a eu cette philosophie d'entraîneurs français qui ont continué dans cette route-là, ce qui fait que au moins Naba français ming bazarana betarana 4-2-3-1. Coach Bengue ouais. pas yaki 4-2-3-1. Bango tout presque. Mais après, aujourd'hui, même avec les joueurs que nous avons, nous ne pouvons pas faire mieux. Ouais. Parce que nous avons des joueurs très rapides sur les côtés. Aujourd'hui, on a Silas, on a Meshak. On a Wissa, on a aussi Bongunda. Les deux autres sont beaucoup plus dans la vitesse. Les deux autres sont beaucoup plus dans la tempérance du jeu. Donc, tu peux les utiliser aussi même dans un 4-4-2. Donc, on a cette ouais. richesse-là. Mais au milieu de terrain, on n'a pas les joueurs qui portent le ballon vers l'avant. Donc, on doit faire en sorte de subir. Ce n'est pas subir une pression à 100%, mais dans un bloc médian, on dit mis au PC, balle et pas adversaire. C'est qu'on dit give away possession. Donc, tu donnes la balle à l'adversaire. L'adversaire, quand il s'approche, tu fais le mouvement pour aller maintenant dans le pressure. Pression sur le porteur du ballon, c'est très important. Est-ce que la RDC fait pression sur le porteur du ballon ou bien elle fait pression sur les joueurs qui sont susceptibles de recevoir le ballon? Ah, ça, il y a aussi une différence. Parce que si vous faites pression sur le porteur du ballon, vous ouvrez des espaces pour l'adversaire. Alors là, l'entraîneur, il est beaucoup plus prudent et vous allez le voir aussi avec Ibenge. Il joue presque de la même manière. Il joue prudent, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire le pressing sur le porteur du ballon, mais ils vont faire pressing sur la zone où le ballon est susceptible d'aller. Il y a un autre monde qui est ceux qui t'ont récupéré le ballon, tous à la peine à moi l'enterre ou en a pour contre-attaquer. Mais normalement, ceux qui les lots des sabres a décidé, comme on a fait en Mauritanie, hein, je crois, les premières minutes, on allait presser haut pour récupérer le ballon haut et directement attaquer. Parce qu'on avait découvert ouais. qu'ils avaient des erreurs sur les passes en arrière vers le gardien. Et c'est comme ça aussi que Bakamba a marqué à Lubumbashi. Donc, tu vois, donc on a plusieurs opportunités. C'est très difficile de savoir que, OK, il faut une stratégie, style de jeu n'est pas bon. Mais c'est que tu as que stratégie de jeu à des sabres, c'est une stratégie de jeu prudente et pour attaquer sur des transactions rapides, transitions rapides. Une dernière question peut-être avant la carte dans la match que Babani a fait. Dans moins trouble la Ming il pose à gardien BD. Donc il faut quand même émettre des avis sur ça. Jusque là je vois qu'il y a un bon comportement. Je crois que Lionel Passy a beaucoup marqué de points sur cet aspect là. Mais quand je l'ai observé dans plusieurs matchs, je trouve que il a un peu de petites lacunes dans la relance. Mais c'est normal. C'est normal. Les gardiens aujourd'hui, on doit sentir différence entre, par exemple, un Onana et un Passy. C'est-à-dire que Onana a apporté plus offensivement. Mais c'est aussi une prise de risque. Pour l'instant, on n'a pas mieux. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas aujourd'hui que tu relaxes et qu'arrive à Rokangaba et peut orienter le jeu. C'est un peu ça. Il y a aussi un aspect dans le jeu au pied à gardien, c'est qu'on oublie souvent, c'est la capacité du gardien à placer le joueur pour qu'il fasse la passe.
Ça aussi, c'est une lecture qu'il faut aussi faire. Alors, si le gardien est capable de regarder le jeu adverse, le positionnement adversaire, il y a l'adversaire, pour placer et ses défenseurs et ce milieu, il y a aussi une façon, quelque chose qu'il faut peut-être aussi marteler sur ça. C'est que on a vu le nom de Kabamba, Istras Kabamba, ce gardien-là, mais on ne l'a jamais vu à l'œuvre. Bon, un de mes contacts à Ken m'a à l'obélenga que non, selon lui, il est parmi peut-être le meilleur que les gardiens tout en a. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de le voir. Bon, je ne sais pas trop pourquoi. Une place où on a dû comprendre le match de Sabaté, il aurait peut-être mis une certaine concurrence pour Makas pour dégager le meilleur en poste à gardien un peu. Donc voilà un peu, j'avais beaucoup de choses à dire, mais bon, peut-être prochainement. Merci en tout cas. Merci à toi, merci Nabandekwa Dallas. En tout cas, Yebisamango, Nazoya Kuna Kalate. J'espère que vous voyez Mbanga Malamu. J'espère que nous allons passer ce jour à Kito Konakati à Dallas. Pas de problème, pas merci. De problème en tout cas. Merci, merci. Windeko, Malobepa Nayo, podcast Bellini, tout ça n'est pas Yambao. Kata volume place aux amis. Mande Gopé va comprendre. Il va comprendre. Club naé, club naé, ils ont bêté dans le championnat, wana. Bonne intervention à ces pays dans le franc parler. Bandeko ndeko alobi bien, bandeko bazo intervenir, ndeko alobi bien, alobi te ke bazo soso, alobi te ke bazo soso, ya alobi ke, alobi ndeke, ta bape sa chance na moutou nyonso, alobi te ke entraîneur il faut jo soso, mwana batu. En tout cas Arnaud, merci mingi na intervention na yo na sepeli, ko banga tu. Makama animation te oso la lobi. Lobby, en tout cas, tu as ça débat. Mardi, na mercredi, en tout cas, on a une équipe, on a antenne.
pour ça la débat sur le but au ça la débat sur l'animation dans le cas vidéo moi vous prenez là ça comme exemple pour Nathalie Sapé ben de condé une truc qu'on partager sur Yam le but au le sur l'animation et l'attaque. Merci, merci. Comment intervenir? Mais il y a un numéro Zawana. Comment intervenir? Numéro Zawana. Le numéro pour intervenir est affiché juste devant l'écran. Hein? C'est plus 1-310-503-6464. Donc voilà, même pour demain, c'est pas grave. Donc voilà, 2h30, il y a émission, je crois que c'est beaucoup pour la bande de Koba, l'indivision en direct. Peut-être que c'est pas grave. Ah là là. En tout cas, Oza Moutassouk, Ozo Benga, vas-y. Ah oui, la carte, on a un petit peu pour les lignes comme ça. T'es, problème, t'es yon, le bas, non, le bas. Le bas. Un excellent latéral droit, mais à comprendre comme on a dit, Botaka a valé comme ça. Mais conseil, moi, tu as un peu de Ezama le bananga te ezama le banaye pona ebibi no kote ko fi. Po internet yo bazo sakala te bazo finga so mwa. Eh, mais lui il a lui c'était beaucoup plus comme un piston droit, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Mais alors ça dépendait du système, parce que moi j'ai vu Botaka c'était contre le quand il a joué comme défenseur face à je crois que c'était la Côte d'Ivoire. On a perdu 3-1. Non, défensivement c'est un scandale. Mais comme piston, c'était une solution. Oui, une magnifique solution, parce qu'il était capable de prendre le ballon et d'emmener jusqu'en attaque et peut-être de marquer aussi. Mm-hmm. Peut-être bah, juste ma conseil n'a pas balayé qu'il a mis sur. Mais s'il travaillait, s'il avait eu le courage de travailler sur ce côté physique, apprendre le métier, d'apprendre les positionnements tactiques d'un défenseur. Là, tu as raison. Il aurait été un grand latéral. Là, tu as raison. Ben, c'est ce que notre ami a fait, Massouakou. Massouakou, il était lié. Adam Metalikolo, qui est lié à Valenciennes quand il a commencé. Non, analyse, non, ils ajustent. Ils ajustent. Analyse, ils ajustent. Mais bon. Ah, merci. Après c'est son chacun d'apprécier. Non, Lukandombe, là. Oh, non, il m'appelle à Ndegoum Sousa Bengi, hein. Merci. Mais tout ça, c'est ce qu'on a en ligne. Tout ça, partagé. Oui, allons de Kobeng Bissot, podcast Bellini et Andy Onesengo, Kataka Radio Place Ozali, Malobe Panao. Ah, allô, Joshua. Allô, oui, tout ça, yo, papa. Ok, merci beaucoup. J'ai
juste na kotika na siko yo antoka na monyo a libre na bité. Na loba ki lelo malobeza pa ya batu na tika ki téléphone ouvert en tout cas tout le monde est en train de donner son avis. Malobe pa na. Ah OK, merci beaucoup en tout cas. Na rata ki na mona ki wa ki na zone na biso na Florence, na ngana benga na mona na yo mais. Ah c'est dommage pour la prochaine fois. Vraiment, vraiment. Dans ça, Kalaté dans ça la tour aux États-Unis. Là, coûte un abat bande connue sur les Congolais parce que Nazoya m'a appelé Belé à bande dans la bise sur la bête à rappeler les États-Unis. Alors, bonjour. Moi, ni bas français, bas déjà au sol la publicité à Denis Bouanga. Denis Bouanga a marqué Babu, mais bas joueur congolais bas ça. Ah, bas petit moko bas yama. Quand s'il fait autorité qu'on incorpore pe na U21. Mais là, Oebinga na Lingaté dans ça la publicité sans namona na misu. Alors, il faut un tambola pour la superviser. Là. Ok. En tout cas, c'est le dernier temps, moi, la zone abysso, en tout cas, abysso, tellement va y aller. En tout cas, je ne vais pas y aller. Je crois après 5 ans, 10 ans, tout le monde va y aller. On va autant sous le pas, mais vous voyez qui vient. Donc, c'est un peu ça, quoi. Alors, contactez. Oh, mais voilà, c'est l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu. Okay. Vraiment. Malassima, vraiment, Kozangate, Tosangala qui n'a conférence évangéliste et tout ça. Parce que moi aussi, je fais partie du corps du Christ. Malgré la salle de mission, Oyo, c'est une passion. Mais ma première passion, c'est d'abord Jésus-Christ. Donc, il y a moi. C'est bien. Mais après moi, il dit que je suis négligé. Parce que l'équipe nationale est en train de se faire. Je suis en train de se faire. Ça, c'est vrai. Mais Boebi, Balikusha en équipe nationale, est-ce que Azali incontournable? Les lots, ceux qui te lobby tout le bon, tout ça, la débat à Balikusha, lobby de tout le temps, secteur offensif. Lobby de tout ça, c'est le secteur offensif. Les lots, sous canon, le secteur défensif. Merci. Vous avez le Kamara Baksa? Oui. Je crois Tanzanie, à Rome, à l'équipe nationale. Elle est le commun. Parce qu'il y a un peu de ma casse dans le monde.
Je crois que le secteur est en latéral gauche. Merci Ndekonabiso à Florence. En tout cas, la prochaine fois, tu osas à te commander un atorobing comme ça, tu coûtes. Merci Mingi. Bande de j'aime, beau partager. Mettez des likes, s'il vous plaît. Mettez des likes parce que nous avons des bugs sur le live. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Ndekonaba. Merci. Pas de problème. Merci. Donc voilà, Ndeko à intervenir pour Nangonda. Ndeko Moko a tiki voice message awa. À l'obi. Ok, nous avons un groupe de salinine. 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 Nous ne pouvons pas nous ne négligeons aucun joueur. Ndekolingo benga benga na yo komi na moni ndekoboli ka ite la longwe. Oui allô ndeko malobe pa na yo. Allô? On a un problème à réseau. Bongisa réseau. Allô? Oui, allô, Ndeko. Ozo ben a besoin de partir à Wapi, malobanja panayo. Oui, Ndeko, nazo ben a parti à Chine, nazo dans la province de Wuxi, na Chine. Oh, bandeko à Chine, te parole en abiso. Wow. En tout cas, mbote na bino nyo sokuna. Merci beaucoup. Mm-hmm. Oui, Ndeko, nana intervenir. Toza tongo et pas na biso kotoyo. Tout ça, c'est qu'il y a quelque chose. Mais c'est tout ça, 14h43. Pour un dossier à... Ok. Intervenir pour na... Léopard Nabisso. Mm-hmm. Pourquoi pas, coach Azana Stik, même attaquant au Yakouti. Pourquoi pas, Azo Innovete, Azo Bitouna, Moutounawana, Azo Innovete, genre Yako, Luka, Peba, ba Elie, Nakatia Kine. Parce que moi, je connais la qualité des ailiers Oyo, bah, joueur en Abisso, Bazarana, on a quatre équipes, il y a Kin, on a. De la niveau, ben, lié, Bozara, satisfaite. Non. Monsieur, Nani, Meshak, Aza, insuffisant. Monsieur Souana, Nani, Oyo, Nani, Akolo. Mon joueur de moins, Akolo, ça, les logotés. C'est pourquoi, neuf, Nabisso, Bazo, c'est 10 aux ailiers, 7 à 11. 10 coups, c'est parce que ma équipe adverse ne va pas être en train de me faire. Il faut pas être créatif. Bon, ce qui est le but, c'est que Eliane Akin, tu as un étinani, par exemple, dans la minute. Bon, on y voit Congo. Bon, je crois que Kinzumbi, peut-être. Non, Kinzumbi n'est pas aussi technique. Mon frère, moi, j'ai passé du temps à Kinshasa. Je t'ai dit, il y a les joueurs techniquement très, très bons. Dans un échange.
Jura Yakin, au moins, un sélectionneur, Azamoto, joueur à Ebanité, non. Il doit faire confiance aux jeunes joueurs. Oui, beaucoup de fois, il y a le roi Claude Roiseau à Gata, il y a le roi Biscotte, le trésor pour tout Barou. Mais ba Biscotte, Bazako Bé, tu as déjà un club, papa. Il est là dans le club, tu as un nain. C'est ça la question. Le coach, il peut voir, mais il y a quelqu'un qui propose Bissot Nain, par exemple. Parce qu'il y a aussi un. À l'époque, le niveau du championnat congolais, ils ont été élevés. Le niveau du championnat est très bas. Non. Le championnat, ils ont juste été mécènes au bazar sérieux. Mais parce qu'il y a aussi le Chan, hein, le Chan aussi existe pour ça. Le Chan, Solana coach Otis, a mekana nous coach Solana des sabres majeurs, ni baroki, ko sabre ko organiser stage moko boya Chan, pour nato mega ko superviser ba bon joueur à qui, à partir à stage on a ko intégrer certains éléments. Coach Azalakaka, focalisé na ba joueur, aya ko fa nata 2 mois. Nalandi, en tout cas, merci Mingi. Nayamba bandeko mususu pe sinon tenga na okati emission te. Merci Ndeko. Oui, allô Ndeko, ozobenga bisa partir à wapi podcast Belinio to yambi on esengo, on peut intervenir. Ah, Kulutu, Boni. Boni santé. Boni kuna na Paris. Ah, na sepeli goyo ka yo ka lave. Ah, vraiment lelo na lobaki na tiki la bino maloba. Lelo na lobi. Mais championnat malonga exacte hein bajogo malonga bi bazomona na tête hein ba kuvandi sana ni pona ba joa jour ya kisasa actuellement ouais c'est ça aussi le problème na no pa na lelo pinta ya lelo jour na ngoya malonga tozomona na tel ko tuma sembe awa na moni jour awa ya malonga te mas ba bete na sura de Tunisia. Je vais vous dire que 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 je vais vous
C'est ça aussi. Bokulutu, de l'autre zone, il y a un défenseur. Selon yo, na défense, na biso, na ba na latéral droit, latéral gauche, na axe central. Lui, dans l'engagement, en tout cas, rien à reprocher. C'est dommage qu'il y ait un mauvais choix. Je pense que bon, pour n'a pas le droit de veto, n'a pas le. Mais après un certain moment, à côté de moi, distraction et tout ça. Bon. Le Maroc, contraire, c'est là qui a dit que le club a mal engagé, a proposé côté de Wana. Le point est qu'il y a la Tanzanie. La Tanzanie a se relancé bien pour un instant. Les Congolais sont en Tanzanie. Ils sont en Tanzanie. Ils sont en Tanzanie. Ils sont en poste en Tanzanie. Mais là, ils ont dit la 12e journée dans Mbokawana. Ah, mais 12e journée, bon, on ne sait pas. Total à rendre les cas. Espérons. Mais côté gauche, Namoni Vital Simba, à chaque commentaire, moi, Kazongi en forme, en force. Je crois que latéral gauche, il faut tomber mata trois joueurs parce que Massoua Kwazokara Pamba Pamba, tu vois qu'il copie sa Joris KMB chargé à la Coupe d'Afrique Mobimbaté. Joris KMB, on se voit menier. Ma bête, on me joue KMB à sa relève. Pétion, il y a un peu de temps à fort. Ah oui. En tout cas, vous êtes 200 personnes en direct sur Podcast Bellini sur Facebook et 150 personnes en direct sur YouTube. En tout cas, les Lobo Canning a vraiment presque 3 heures du temps, mais c'est quand même un plaisir de vous avoir toujours en ligne. Merci, Kulutu. Baccalauréat. Astronaute, plaisir à Ming, te redévelopper après émission. Merci. Pepele. Donc voilà. Et puis, voilà, c'est un grand plaisir de vous avoir toujours en ligne. Hein. En tout cas, ça l'aura toujours été mon makas, comme on a bien en ligne, pour partager, toujours pour partager, pour apprendre. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions, même ceux qui n'ont répondu. N'a pas inquiétude, n'a pas noté, mais je crois que parmi la quatre émission à Lilo, tu as quand même moi image, il y a ce que pourraient être les défenseurs de la prochaine CAN. Tu as vu déjà que Chancel Mbembato, Lingato, Lingata, Ozala, Ndeko, Dylan, Batubisi, Kasso qui blessure, tu à Ozala. Bon, entre Enoch, na Bouchiri, si aujourd'hui, peut-être que nos défenseurs Mora Makas endémique au Bétain en RDC et aux Alaka en 4-4 Nabang. Côté droite, tu as déjà l'assurance que peut-être, Ndenge, Ndekonabiso y a agent le but que Soso endémique que Soso Rosala, parce que ça a les mauvais choix à carrière, à qui au Bétain en Ukraine. Na côté droite, tu as mon qui Bayeye, mais est-ce que Bayeye vous a convaincu à 100%? Ça reste encore à revoir et il faudra revoir une nouvelle copie de Bayeye. Moi, je l'ai trouvé un peu frêle défensivement, même si il s'est posé le jeu, a eu qu'on trouvait bah, opportunité, bah, passe, bah, sortie, bah, sortie de balle, à bon. Mais défensivement, je ne l'ai pas trouvé, bon, voilà, pas plus que ça. Mais Naoki Sangwa Joe Mendes, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne pourrais pas donner des réponses maintenant. Dans la recherche, dans la confirmation, si Mandina Yanao. Peut-être qu'avant Ganaïa,
peut-être que comme bon égo, maintenant, des journalistes, je dis Oyo. Donc, je dis Oyo, trouvé, bah, couillé, bah, nani, bah, ça sélectionné pour la double confrontation contre Mauritanie, dans Soudan. Après, côté gauche, n'est-ce pas, tu peux mouna, ah, ouais, tu mouni que, Masoaku, aza bon, mais trop de blessures, je risque à imbé, aza relève, mais Vital Simba, pe, azbani, kozon, en force. Donc, Ngonda aussi, bah, le bitobo, ça n'a Ngonda te. Donc, il y aura des choix à faire. Le coach Kandenge Tolandi interview Awa à l'obi que baro van na kata staff et vous allez des longues discussions. J'espère que staff nae et coupé sa ba question ba réponse ya malamu. Et coupé sa ba réponse ya plutôt coupé ko sunga équipe nationale et non ba réponse ko yo ki comme mabiso vers le bas. Na bande ko oyo ba proposa ki ba solution oyo pe na tangi ndenge na telibino awa bomoni ba komi le problème de notre équipe nationale ndi ko na moni kombote mais na komi malama lobi le problème de notre équipe nationale c'est le milieu de terrain. On n'a pas de milieu qui casse les lignes, c'est un milieu beaucoup plus défensif qu'offensif. Il nous faut des joueurs capables de percer les milieux adverses avec balle au pied ou en passe. Il nous faut des milieux box to box pour bien alimenter notre attaque qui sont tous capables de faire la différence en un contre. Voilà. Donc, tout ça, on a un problème. Mon combat, t'attends, Bazos à l'alimenter, mais Bazos à la mis en évidence, t'es parce que les passes, soit, ils ont trop calculé, ils ont trop visible, et l'adversaire, Bazos, et Bandengeni, il y a qu'on stoppe, en gros. Donc, nous devons travailler sur ça. Les performances statistiques, il y a un frère qui écrit ici, les performances statistiques apportent sur le terrain, en dehors et dans les vestiaires, les chiffres ne trompent pas, des sabres est très pro. Oui, il est très pro, on ne va pas discuter sur cela. Bandeko Nanga na sali 2h56 ya émission. En tout cas, je vais dire samedi ngai simbati. Mais le quoi jour à semaine, lelo naza un peu libre, lobi pe naza libre, au courant la semaine après les autres jours je serai pas libre. En tout cas, toko sala débat o ego sila raté. Na sepeli mingi bandeko nyoso bazaki en direct lelo, tozana 220 personnes en direct na Facebook. 155 personnes en direct sur YouTube, 20 personnes sur Parlons de Léopard. Donc, je suis très content de vous avoir en direct. Lobby Torosa a débat sur les attaquants. Les attaquants, Tuzana Bakambu, Tuzana Diangana, Tuzana Silas, Tuzana Wissa. Quel joueur bozo croire que Bakoki Kokende? Quel joueur bozo croire que Bakoki Kotikala? Maloba et Rosala Lissus et pas Inabino, Binonde Bokomi Sikoba analyste. Hein, pour na ko yeba pe ko propulser pe ko vulgariser musala otozo sala na sepeli mingi na présence tabino bandeko o bazan na groupe ya WhatsApp na moni bandeko mi balé balongwe c'est sûr que ba sepeli te na comportement zo le kakuna na zo ya kuna comme ça na na zo ya kuna comme ça na mekanan ko yoka pe ko tala makami zo le kakuna ndeko Yves Tshasuma pro. Yo mutoza administrateur kuna uzotika desordre kuna ou comment donc na munin de kwa longwe mais bon on va revenir plus tard donc bande kwa WhatsApp na zoya kuna comme ça na za na conversation mo na bino to yeba ningi nini ko partager numéro ba we ba ningi ba kota na groupe WhatsApp envoyez-moi un message sur le plus 1 310 503 64 64 envoyez ba ko sola na bino avant na intégrer bino na kati ya groupe. Eko François Matatu comme là sur mon WhatsApp na chaque numéro na ngaya WhatsApp sur le live na comme longo comme là na WhatsApp kuna to sala ba débat bandiko bazala ka wana ba participer na ba débat na intervenir de temps en temps pas tout le temps parce que j'ai pas trop de temps mais na yebi ki na intervenir. En tout cas c'était un réel plaisir de vous avoir en direct. Na lembi mo muke botika nga pe tan na pema parce que il y a le devoir aussi qui m'appelle. Est-ce que je peux donner rendez-vous? Le rendez-vous c'est pour demain à partir de 12h 20h de Kinshasa, 12h ici à Los Angeles, je crois 7h en Chine ou quelque chose comme ça. Bande kwa Maroc, merci Mingina Micha Pongola, merci na Kulutu na ngai Jean-Roger Bertin Kingele, mon ami Patient Kadima, Gino de Mukwata, Gino de Mukwata, Sébastien Goyi, Namoni Natangoyi, Azobeta na Standard, Opesi Sangote, Nazo Liate,
Salem Kabea, merci. Viclon du télé, Léona Constacra, qui 3 heures en direct pour Nabino. En tout cas, c'est un plaisir. Mais n'oublions pas que le plus dur reste à venir. Aujourd'hui, on a le Connor qui est en place. Le Connor est en train de se battre avec les moyens qu'il a, avec tous les combats des anciens de la bande à Omari qui continuent à faire pression pour les élections. Heureusement que la CAF et la FIFA, bah, Timbeli, bah, Jewana, bah, Nile Kopwana, et voilà que tout ça qu'on se retrouvait maintenant dans une situation dans laquelle élection. Les élections ont été annulées et le Connor risque, on risque de prolonger le Connor pour encore beaucoup plus de temps. Voilà. Donc on va analyser tout cela. Boye binga très bien. Na kota na ba dossier na ndinga likolo likolote na kokota ngo pena na kati. Pour nous analyser. Bande de Angola, nous sommes en portugais, tout ce que je parle en portugais, je suis aussi pour vous. Pour demander un message pour les irmãos qui vivent en Angola, pour faire une analyse aussi pour les palancas négros, dans le barapé portugais. Pour ceux qui vivent au Mali, Sénégal, Benin, la Coupe d'Afrique des Nations va débuter bientôt. Nous serons là pour analyser aussi les matchs des colonies françaises, hein, tout le bras colonie française, mais les pays issus de la colonie française, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, et voilà, nous serons aussi pour eux. Et nous serons aussi for the brothers from Nigeria, Ghana, Tanzania, brothers from Tanzania, brothers from Nigeria, Ghana will be here with analysis. And we'll be there to cover the AFCON for you guys. If you are interested in my analysis, you can come. You can come and we will do the job for you guys. So, on est là. Et pour terminer, vous allez constater que je suis encore... je passe encore beaucoup de temps dans les études. Kalate Nazosi Sabakour Nangaya. Analyste professionnel et ce qui nous a basungi na silisiango en tout cas na pour partager sengwana na bino awa na ba diplôme na ngai. Donc que Dieu vous bénisse, c'était un plaisir de vous avoir en direct. En tout cas na sepeli mingi koyo kabino na sepeli kozala na bino lelo journal lelo ezaki sengo mingi parce que na permettre na mutu nyoso à s'exprimer. Allons déco. Nazalaki a clôturé l'émission, donc vous avez eu le dernier intervenant. Au cours de moment, s'il vous plaît, bien que ça parte à Wapi, vous en direct à Podcast Bellini. Nabengi a parti à Kinshasa, commune à Kitambo. Oui, Ndeko, vas-y. En fait, Nalingai Kinako est dans le groupe Kaka, Nangana a intégré le groupe. Ah, ok. Au Tikelinga Kaka Voice, au Komelinga Message. En tout cas, nous avons eu besoin de bande de connaissances avant la côte d'Abidjan dans le groupe parce que tout ça n'a règle qu'on a tout respecté là. Donc, n'a pas bien comment après avoir besoin d'un abino, bien on peut s'abino par numéro et bande de copains bien à ce beaucoup type intégré et aux alamala mon mini pour la communauté congolaise. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà. Voilà, je vais traiter toutes les demandes d'intégration dans le groupe après l'émission, ce qui n'a pas mis na vandi, en tout cas na kata groupe. En tout cas, merci, c'était un réel plaisir de vous avoir en direct. Na bao e babanda ki nanga bandane bandelti na suka na mon ba makwika saint, ba Yves Tchassoumoua pro, ba Djani Louvounza, ba Micha Pongola na kata Maroc. Bande quoi Côte d'Ivoire, en tout cas, pour ça la signe parce que tu as dit préparer des délégations pour qu'il y ait des Côte d'Ivoire et participer à la Coupe d'Afrique. Bande quoi Nanganyo Soyobolanda, à partir à Côte d'Ivoire, à partir à Abidjan, pour se manifester à partir à téléphone Nanga, plus 1-310-503-6464. Tu limites à l'attente à moi, représentant Mokwa Rosala Kuna, pour tout vivre, pour événement en attente au Salaba Live. Tous la délégation moko y a mon assigné par partenaire nous sur ya podcast Bellini bandeko nous sur basunga kanga na musala oyo
va se manifester. Il va se manifester à Taïa Moro Naba Star, parce que Star est un moyen de soutenir les œuvres. J'aime aussi les commentaires. Nanzela Wana, de Togoye, Poussana. Toujours qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour l'émission, il y a exalapé représenté. Il y a un peu de temps, il y a un caméra, il y a un micro. Au salon bas reportage en direct, au côté d'un hôtel, au salon bas joueur tout ça, nous sommes les cinq bas moyens, mais naébi que na bolingo bozaran ango pour na émission oyo bozaran ante ko se manifester. C'était un réel plaisir de vous avoir en direct. Ce cas pour na ngai volonté na linga qui na continue émission. Mais nous autres lembi, binope bolembi, tout ce qui binope bolala. Bonne journée à tous et je crois que lobby te recoute dans les sous-sous. À partir de 20h, tu reçois la source émission sociale Mounene, tu reçois la sur ma position sur les attaquants. Qu'est-ce que vous croyez sur la méthode de Desabre? Est-ce que photo Lukaba militaire Moussousou? Est-ce que photo Lukaba attaquant Moussousou? Dans mon débat, on est bandit déjà. L'objet de continuer sur Yango. Bandeko Bazala qui te beau invité Bango. Bandeko Bazala qui te beau partager émission ou Epana Bango. C'est un forum débat. On a joué Fongola mardi, na mercredi. Samedi, et ça beaucoup plus pour moi, il y a un temps, il y a aussi l'analyse. Mais mardi, mercredi, il y a un jour à semaine, vous pouvez intervenir, tout ça, la mission, il y a 3h du temps. Tout réveillé, problème, il y a la Coupe d'Afrique des Nations, tout réveillé. En tout cas, c'était un plaisir, merci, et je vous donne rendez-vous demain, à partir de 20h, vous allez ébeler pour tout ça, l'émission. Merci.